Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Je pense que vous avez eu le temps de consulter le petit programme que vous avez vu avec le film. Voilà, donc vous savez tout sur la JPO virtuelle de l'EISTI qui devient CY Tech. Donc on est heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette première. Donc on espère que vous serez très très bienveillants vis-à-vis des petits problèmes techniques qui pourraient intervenir ou de notre, disons, incertitude sur l'organisation. Voilà. Donc aujourd'hui, pour vous répondre, nous sommes deux en face de vous. Donc Monsieur Alexandre, notre directeur général que vous voyez ici à l'image, et moi-même, Laurence Lamouly, directrice du campus de Pau et en charge des admissions de CY Tech. En coulisses, beaucoup de monde pour vous aider, vous répondre. Donc nous avons sur chacune des plateformes, Facebook et YouTube, une équipe de professeurs, d'administratifs et d'élèves qui pourront répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à aller sur le chat et à poser vos questions. On fera des séquences réponses aux questions tout au long de cette présentation et aussi à la fin pour essayer d'être les plus complets possibles. Et puis, vous savez aussi que vous pouvez nous retrouver en replay sur les plateformes si vous n'avez pas pu suivre en direct ou si vous êtes arrivé en cours de route. Voilà, donc on salue également nos amis à l'international puisque nous avons du public tout autour du monde. J'ai eu des retours du Mexique, de Dubaï. Voilà, on espère qu'eux aussi vont bien et qu'ils pourront profiter de cette séquence avec vous. Voilà, donc on va passer tout de suite à la présentation avec une première partie qui sera, pardon, plutôt consacrée à des informations générales et sur laquelle je vais tout de suite passer la parole à notre directeur. Voilà, Raja, c'est à toi. Merci Laurence pour cette introduction. Bonjour d'abord à tout le monde. J'espère que vous vivez bien le confinement, qui sera peut-être bientôt terminé. Chers parents, s'il y en a, chers futurs élèves, peut-être chers anciens, et de manière générale à toute la communauté en France, qui nous suit. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer, la transition de l'EISTI, école privée, vers CY Tech, école publique. Vous voyez sur le slide qui apparaît sous vos yeux quelques logos qui sont très connus dans le milieu de l'enseignement supérieur et en particulier sur le périmètre des écoles d'ingénieurs, la CTI, la Commission d'études d'ingénieurs, bien évidemment le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque maintenant nous sommes devenus une école publique, hein, d'une école privée, nous sommes devenus une école publique. Vous voyez en dessous le logo de la conférence des écoles et à côté le logo de la CDFI. Nous reviendrons un peu plus tard pour savoir un peu qu'est-ce que c'est que ces logos. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2019, l'EISTI était une école privée. Elle avait un statut d'ESPIC, c'est-à-dire établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Avec l'ancienne université de Cergy-Pontoise, qui est en banlieue parisienne, elle a répondu à un appel d'offres, c'est-à-dire un appel d'offres qu'on appelle investissement d'avenir, et elle a gagné cet appel d'offres. Et en gagnant cet appel d'offres, le projet qui était en dessous, c'était de se transformer et de devenir cette nouvelle école d'ingénieurs, CY Tech. Alors CY, C, c'est l'initiale de Cergy, Y, c'est la dernière lettre de Cergy, et elle devient donc une école d'ingénieurs, mais en fait, on a fait mieux. Elle devient une grande école de sciences, d'ingénierie, d'économie et de gestion. Alors, je vous avais dit que je vous expliquerai brièvement ce qu'étaient ces logos. D'abord, le fait qu'on mentionne le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est évidemment parce que nous délivrons des diplômes reconnus par l'État. Et là, aujourd'hui, nous allons parler principalement du diplôme d'ingénieur. Et en dessous, la commission d'éthique d'ingénieur, parce que c'est elle qui nous habilite, qui nous accrédite à pouvoir délivrer ce diplôme d'ingénieur. Et enfin, l'EISTI et CY Tech sont membres de la conférence des grandes écoles, comme d'autres grandes écoles. Pourquoi? Parce que nous délivrons aussi des masters spécialisés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un master spécialisé brièvement? Ce sont des masters à bac plus 5, bac plus 6, pour essentiellement des futurs étudiants qui ont déjà un travail. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pour beaucoup de choses, mais essentiellement parce que ça a ouvert de nouvelles opportunités. Lorsque je parle de nouvelles opportunités, c'est pour vous, futurs élèves. La première chose, c'est que nous avons baissé nos frais de scolarité pratiquement par deux.
et les chiffres, vous les voyez. Sur le cycle prépa, c'est-à-dire les deux premières années, puisque l'école est une école en 5 ans avec un cycle préparatoire et après le cycle ingénieur en 3 ans, vous voyez que pour les communautaires, en particulier pour les Français, les frais de scolarité seront à 3 000 par an. Et la nouveauté, c'est qu'ils seront à zéro pour les boursiers. Et ça, c'est très important. On mentionne le chiffre de 6 000 pour les extra-communautaires, c'est-à-dire entre guillemets les étrangers. Ça, c'est une première chose. Vous voyez que c'est une grande opportunité. La deuxième chose, c'est que nous ouvrons de nouveaux domaines de formation. Aujourd'hui, on va insister sur les spécialités mathématiques appliquées et informatiques, mais il faut que vous sachiez tous que nous allons ouvrir à partir de la rentrée septembre 2020, dans le cycle ingénieur et le cycle bien sûr prépa, deux nouvelles spécialités, une en génie civil et une autre en biotechnologie et chimie. L'autre opportunité, c'est l'ouverture à de nouveaux partenariats internationaux. On y reviendra, pourquoi c'est important pour une école d'ingénieurs et pour une grande école, c'est parce qu'il y a la question qui touche tous ceux qui ont envie d'avoir un diplôme d'ingénieur, la mobilité, c'est-à-dire aller faire des séjours à l'étranger, aller faire des projets à l'étranger, etc. Plus nous aurons de partenaires internationaux, qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être des universités à l'étranger, qui peuvent être des écoles à l'étranger, plus nous pourrons être capables d'envoyer facilement nos élèves à l'étranger. Et enfin, l'augmentation du potentiel de recherche, d'innovation et de valorisation, c'est-à-dire en clair, le nombre de laboratoires de recherche, le nombre de plateformes technologiques, pour vous donner un chiffre, c'est très simple. Lorsque nous étions école privée, nous étions pratiquement à zéro laboratoire et zéro plateforme de recherche. Et nous allons, maintenant que nous avons fait la bascule avec CYTech, nous allons récupérer une quinzaine de laboratoires et 3 ou 4 plateformes technologiques qui sont très importantes pour la formation d'ingénieurs. Voilà, quelques petits éléments sur nos relations avec les entreprises. Alors, les relations avec les entreprises, c'est primordial pour l'insertion professionnelle de nos diplômés. C'est aussi primordial pour que les entreprises puissent trouver avec le ISTI et maintenant CYTech un partenaire digne de leurs ambitions. Comme vous le voyez, les secteurs dans lesquels nous formons n'ont pas de problème pour placer leurs diplômés, puisque 96% sont déjà embauchés à la remise du diplôme. Alors, il faut bien comprendre qu'en ce moment, le numérique, et depuis d'ailleurs une dizaine d'années au moins, est un secteur qui est en recherche de diplômés et de collaborateurs. Donc, ce n'est plus tout à fait le diplômé qui cherche une entreprise, mais plutôt l'entreprise qui cherche un diplômé. Ils ont d'excellents salaires, puisque vous le voyez à l'écran, même si pour les plus jeunes d'entre vous, ça vous parlera pas beaucoup, mais demandez à vos parents, c'est un salaire tout à fait agréable. Et donc, c'est une situation dans laquelle nos diplômés sont chassés, hein, véritablement, avant même la remise de leur diplôme, et ce qui leur permet de trouver le travail de leur choix en termes de nature technique, plus ou moins managériale ou plus ou moins technique, de trouver aussi, évidemment, le secteur géographique qui leur convient. Sans oublier qu'il n'y a pas de discrimination, et je tiens à le préciser, entre filles et garçons, et au contraire, la discrimination pourrait être plutôt favorable aux filles, puisqu'il y a une pénurie de jeunes femmes dans l'ingénierie, et du coup, les entreprises manquent de mixité, ce qui veut dire qu'elles recherchent évidemment à embaucher plus de jeunes filles, de façon à revenir dans des équilibres un peu plus acceptables. Alors, vous voyez ici à gauche que les secteurs d'activité de nos diplômés sont variés. On n'a pas pu mettre tout et donc on a fait une espèce de mélange dans d'autres secteurs. Vous voyez qu'en fait, ce qui domine, c'est quand même les technologies de l'information, ce qui est logique au vu des secteurs sur lesquels nous formons et de nos expertises. Mais on a aussi pas mal de travail dans les banques, les sociétés d'assurance, du fait de nos filières en finance et en maths financière. Et on a également des ouvertures sur toutes les industries que je qualifierais de plus lourdes au sens aéronautique, automobile, ferroviaire et transport. Voilà. Ce sont des secteurs qui sont en constante évolution avec des besoins technologiques très élevés et qui profitent donc des compétences de pointe qu'on a données à nos diplômés. À noter également, 16% de nos ingénieurs travaillent à l'étranger, ce qui signifie qu'on a aussi quand même une grosse importance des langues dans nos formations, chose qui est vraiment très importante. Ne négligez jamais l'anglais dans votre formation parce que ce sera votre outil de travail, au même titre que l'informatique ou les mathématiques.
Et pour arriver à ces bons chiffres, à cette insertion, évidemment, nous mettons en place des activités, alors qui vont du projet personnel et professionnel dès l'entrée en cycle ingénieur jusqu'aux simulations d'entretien d'embauche, au forum que nous organisons, dont vous voyez ici la photo. C'est un forum sur ce transparent, un forum avec des affiches qui sont les offres d'emploi ou de stage, des diplômés ou des étudiants qui consultent ces affiches et ensuite, dans les couloirs de l'école ou dans les halles dédiées, ils vont pouvoir aller à la rencontre de ces entreprises qui les embaucheront ou leur proposeront des stages. Voilà. On reparlera tout à l'heure également de nos contrats de professionnalisation et de l'alternance qu'on a mis en place pour rapprocher nos élèves des entreprises. Et puis, n'oublions pas évidemment que nous avons des anciens élèves. Ces anciens élèves qui, de par le monde, peuvent constituer des relais d'information ou des aides pour trouver un logement, un job, un stage, enfin voilà, donc c'est une aide précieuse et je salue les anciens élèves qui sont à notre écoute de par le monde. Voilà, on va passer justement à l'international et je laisse la parole à Raja. Merci Laurence. Peut-être pour ajouter quelques mots sur les relations entreprises, l'objectif d'une école d'ingénieurs, en particulier de la nôtre, CYTech, c'est que si nous rentrons 100 élèves en post-bac, notre objectif prioritaire, c'est que les 100 trouve un boulot à la sortie de l'école, c'est-à-dire après les 5 ans pour ceux qui seront rentrés à post-bac ou après les 3 ans pour ceux qui seront rentrés à une classe prépa. C'est l'objectif prioritaire pour ça. Alors, une petite remarque, pourquoi 96% et pourquoi pas 100%? Tout bêtement, parce que certains de nos élèves décident de continuer après en faisant une thèse de doctorat. Mais j'insiste, hein, les chiffres et la priorité pour nous, c'est que nos élèves aient un boulot à la sortie de l'école. Alors l'international, nous en avons parlé tout à l'heure à propos de la mobilité sortante, ce qu'on appelle la mobilité sortante. Ça, c'est un critère qui est demandé par la commission d'études d'ingénieur pour valider son diplôme d'ingénieur. Il faut que chaque élève puisse aller passer au moins un semestre académique à l'étranger. C'est pour ça, académique à l'étranger, c'est-à-dire aller suivre un semestre dans une université ou dans une école, de manière générale dans un établissement d'enseignement supérieur à l'étranger. Pour faire ça, il faut que CYTech puisse développer des partenariats. Et je vous avais dit, c'est une opportunité de CYTech. Plus CYTech sera gros et visible, plus elle sera en capacité de d'établir de bons partenariats à l'étranger. Alors, pourquoi nous en avons plus ? À gauche, vous voyez la cartographie de ce que nous avions construit dans le périmètre de l'ISTI. Et à droite, vous avez la cartographie de ce qui s'est construit sur le périmètre de l'ancienne université de Cergy-Pontoise. Eh bien, nous allons fusionner ces deux partenariats et ça vous augmente le partenariat en conséquence pour la mobilité sortante. Alors, qu'est-ce que c'est que CYTech en France? Et je laisserai la parole à Laurence, hein, qui, je vous le rappelle, est directrice du campus de Pau. Alors, CYTech, nous avons deux implantations géographiques en France. Hein. Le centre historique sur Cergy, bien sûr, et le site de Pau. Alors, je vais me concentrer pour ma part et je laisserai la parole à Laurence pour décrire les spécificités du campus de Pau. Tout d'abord, le campus de Cergy, je vous l'ai dit tout à l'heure, en banlieue parisienne, c'est un campus international parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont là-dedans, parce que le territoire de Cergy a vocation à accueillir et à favoriser la mobilité internationale. Il n'est pas très loin de Paris, vous avez plusieurs lignes RER, 35 minutes de Paris. L'aéroport Roissy-Charles de Gaulle est à 45 minutes. En termes de pôle étudiant, ce campus international, dont CYTech fait partie, c'est le deuxième pôle étudiant d'Île-de-France. Je mentionne, et on reviendra tout à l'heure, que l'ESSEC, la Grande Business School, est à Cergy. Nous, en particulier, nous développons un partenariat spécifique avec eux. Nous avons un Fab Lab sur Cergy, un lab boîte. Et enfin, je vous l'avais dit tout à l'heure, nous allons récupérer une bonne quinzaine de laboratoires scientifiques et de plateformes technologiques. Et j'insiste sur ces laboratoires et plateformes technologiques, ils viennent en appui de la formation d'un ingénieur. Laurence, je te laisse dire quelques mots sur Pau.
Oui, merci. Voilà, donc vous l'aurez compris, Pau est un campus plus petit et qui a été construit et créé par le ISCI il y a moins longtemps que celui de Cergy, pour tout vous dire en 2003. Donc c'est déjà un campus bien établi dans la région. La région Nouvelle-Aquitaine est une région qui a des atouts. Les classements que vous voyez ici mentionnés, l'étudiant, l'Express, se sont intéressés beaucoup l'année dernière à la qualité de vie en province et notamment pour les étudiants. C'est ainsi que l'étudiant, le journal L'étudiant, a classé Pau comme troisième ville moyenne où il fait bon étudier et l'Express troisième au niveau national. Vous voyez, c'est quand même des classements assez intéressants. Alors, quels sont les critères de ces classements? Ben, c'est la qualité de vie, c'est l'offre de formation, c'est l'offre d'hébergement, c'est le prix de l'hébergement, c'est la disponibilité aussi de l'hébergement, la facilité avec laquelle vous pouvez le trouver. Donc tous ces éléments font que ce sont peut-être pour vous des éléments importants, pour les familles également. Et il faut rajouter que le campus de Pau est un campus plus petit, bien entendu, en termes de nombre d'élèves. Nous avons 350 élèves dans un campus que vous pourrez visiter d'ailleurs sur les Google Street View que vous trouverez en ligne. Puisque évidemment, malheureusement, en termes d'accessibilité en ce moment, du fait du confinement et des restrictions d'ouverture, on ne pourra pas vous recevoir de suite. Mais il faut savoir que ce campus est à taille humaine et donc permet aussi un encadrement, une proximité des gens assez importante, tant entre les élèves qu'entre les professeurs et les élèves. Je vous ai déjà parlé des logements qui sont faciles et pas trop chers, disponibles sur place. Vous avez, comme vous le voyez sur l'image qui est au-dessus, la mer et la montagne à 1 heure. Donc une possibilité de loisirs et de qualité de vie. Mais nous avons néanmoins aussi des formations d'excellence. On ne fait pas que du sport et on ne fait pas que s'amuser à Pau. Nous avons des spécialités dont on vous parlera tout à l'heure, des formations de dernière année en intelligence artificielle, en cloud computing, big data. Et ces formations permettent de se placer dans des entreprises prestigieuses de rang mondial à proximité de l'école, Total, Safran, Alstom, etc. Tout autant que des TPE. Et nous avons également des anciens élèves chez Google, chez Facebook. Donc, vous voyez, venir à Pau ne signifie pas aller se perdre ou se cacher au fin fond du Béarn. Voilà. Oui, Alors, Laurence a nous parfaitement allons. raison. Pardon. Vas-y. Peut-être un mot. Laurence a parfaitement raison. Le site de Pau ou le site de Campus font partie de la même école, avec les mêmes contenus pédagogiques, sauf la dernière année, avec des spécialités et des spécialisations qui sont bien sûr différentes, parce que ça peut dépendre du contexte géographique. Laurence a mentionné un certain nombre d'entreprises sur la région de Pau. Ça va être légèrement différent sur la région parisienne. On s'adapte, mais il faut retenir que les deux campus développent, sont sous la même direction, ont la même orientation, les mêmes équipes y travaillent en parfaite coordination. C'est une et une seule école. Tout à fait, c'est Merci. important parce que un des atouts primordiaux qui a été celui du campus de Pau dès son ouverture a été que le diplôme est le même. C'est-à-dire que traditionnellement, dans les écoles d'ingénieurs, les campus de province sont un peu, disons, moins bien vus et moins bien considérés que les campus de région parisienne ou d'Île-de-France. À l'ESTI, que vous rentriez à Pau et que vous rentriez à Cergy, vous aurez le même diplôme à la sortie. D'ailleurs, il est probable que vous aurez peut-être l'occasion de faire une partie de vos études à Pau et une autre à Cergy, dans un sens ou dans l'autre, puisque, il y a des échanges fréquents d'étudiants entre nos deux campus. Alors, on a fait un petit break pour éviter que ce soit trop monologue et trop long. Donc, on a proposé à l'internaute de répondre à leurs questions à la fin de cette première partie plutôt institutionnelle administrative. Alors, on n'a pas énormément de questions en ligne qui nous sont reliées sur ce sujet, mais on peut peut-être préciser, disons, que par rapport au label et aux reconnaissances, les questions qui reviennent très souvent en journée porte ouverte sont surtout par rapport à la reconnaissance de l'école et notamment par rapport à la transition. Alors, je ne sais pas si ça a été clair pour tout le monde, mais la transition qui s'opère actuellement entre l'ESTI et CY Tech ne va rien changer par rapport à la reconnaissance et au label dont l'école bénéficie. Nous nous sommes assurés, avant de changer de statut, de structure, que le diplôme sera toujours un diplôme d'ingénieur, que les masters spécialisés seront toujours reconnus par la conférence des grandes écoles et qu'il n'y aura donc pas de déperdition, au passage dans le nouveau statut. Voilà, je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est une inquiétude légitime de toutes les personnes qui peuvent avoir envie de nous rejoindre. Voilà. Oui, Laurence a Je n'ai raison. Et pour ajouter,
Nous changeons bien sûr certaines petites choses et de mode d'organisation, mais notre volonté est toujours la même, c'est d'accompagner les élèves. Et là, cette école, CY Tech, elle va continuer les traditions de l'ESTI en termes d'accompagnement. Ça, c'est une chose. Mais un petit point, dans la transition, on se dit on va perdre quelque chose du passé. J'insiste sur les anciens élèves. Les anciens élèves de l'ESTI seront les futurs anciens élèves de CY Tech. Et nous comptons sur eux parce que les anciens élèves sont extrêmement moteurs en ce qui concerne en particulier les liens entreprises pour chercher, pour décrocher les stages ou le premier job pour nos futurs élèves. Fait. Alors, puisqu'on n'a pas énormément de questions sur la partie administrative et institutionnelle, je pense qu'on peut passer peut-être à la deuxième partie. Raja, si tu es d'accord. Moi. Ok, très bien, voilà. Donc, deuxième partie, c'est la partie formation. Donc, on va évidemment vous parler de toutes les formations de l'ESTI en détail et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez ou si on a un peu trop évoqué rapidement. Voilà, Raja, à toi. Très bien. Laurence reviendra tout à l'heure où elle complétera ce que je vais dire. Je sais que c'est toujours très compliqué d'expliquer ce qu'on a en France et en particulier une ingénieure. Alors, CY Tech est une école en 5 ans. On peut y accéder soit juste après le bac, en faisant un cycle de 2 ans, un cycle de prépa, qui en gros ressemble à une classe préparatoire. On suit un programme MP, en gros, hein, pour faire simple. Et ensuite, pour l'élève qui va rentrer juste après le bac, s'il réussit bien, et de toute façon on met tout en œuvre pour qu'il réussisse, après 2 ans, il va intégrer le cycle ingénieur qui dure 3 ans, ce qu'on appelle Ing1, Ing2, Ing3. Et si tout va bien, après ces 2 plus 3, donc 5 années, il aura son diplôme d'ingénieur. Et là, comme on fait un focus sur 2 spécialités, soit en spécialité mathématiques appliquées ou en spécialité informatique. Alors, vous voyez apparaître un logo double diplôme France et international. Et ça, je voudrais prendre quelques minutes pour vous expliquer ce que c'est. Vous avez la possibilité, donc pour ceux qui veulent devenir ingénieurs CY Tech, pour ceux qui veulent venir chez nous, en même temps que faire tout ce qu'il faut pour avoir le diplôme d'ingénieur CY Tech, être inscrit chez un de nos partenaires pour avoir un diplôme complémentaire. Je vais vous donner 2 exemples. Tout d'abord, Grenoble École de Management, qui est une école de commerce à Grenoble, qui a même un campus sur Paris, avec qui, depuis de nombreuses années, nous avons un double diplôme. Et ce qui permet à un élève ingénieur qui va rentrer chez nous, s'il est capable et s'il veut suivre ce double diplôme avec Grenoble École de Management, après ces années de formation, il aura 2 diplômes, le diplôme d'ingénieur CY Tech et aussi le diplôme de Grenoble École de Management. Nous faisons la même chose avec l'ESSEC. Nous faisons la même chose avec l'Université de Paris-Dauphine. Et pourquoi ça peut être important d'avoir un double diplôme? Eh bien, tout bêtement, parce que l'école est très forte sur son secteur de spécialité, c'est-à-dire le numérique, par exemple. Et l'intérêt pour un ingénieur qui sort, c'est d'afficher le plus de compétences possible. Nous allons vous donner les compétences en sciences et en ingénierie, et l'intérêt du côté ESSEC ou du côté des grandes écoles de management, c'est d'avoir des compétences ailleurs, par exemple en management. Alors, je prends le relais avec Voilà. un peu plus de détails sur la prépa. J'en profite pour faire une petite digression. On nous a posé la question sur le chat de savoir si les frais de scolarité pour les boursiers à 0 euro dépendaient du niveau de bourse. Alors, la réponse est non, bien évidemment. C'est 0 euro pour tous les boursiers du gouvernement français, même si vous êtes en échelon 0, c'est-à-dire si vous êtes boursier mais sans percevoir d'aide de l'État, vous n'avez pas à payer de frais de scolarité. Voilà. Donc, je reviens sur la prépa. La prépa, en fait, c'est avant tout une façon de se préparer, comme son nom l'indique, au cycle ingénieur. Donc, on va être dans une continuité du lycée. La continuité, elle va s'exprimer par le fait que les matières vont ressembler à celles du lycée. Vous voyez ici la liste des matières, mathématiques, physique, anglais, mais aussi informatique, y compris pour ceux qui n'en ont pas fait dans leur scolarité précédente.
Alors, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas se focaliser sur l'idée qu'on n'a pas eu de NSI ou ça dépend comment on l'appelle au cours du cursus, mais on ne fait pas d'informatique au lycée. Forcément, enfin, nous, en tout cas, on ne fait pas de l'informatique au lycée un prérequis pour la prépa. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas, vous êtes tous capables de chatter et vous êtes tous capables de surfer sur Internet. Vous faites du Word, vous faites du Excel un petit peu, ça suffira. On va tout vous apprendre ou réapprendre. On utilisera des nouveaux systèmes des operating systems, j'ai pas le nom en français. Donc ça ne sera pas forcément sous Windows, mais ça pourra être sous Linux. On vous apprendra des nouveaux langages. Vous savez en général déjà du Python parce que vous en avez fait au lycée, mais si vous l'avez pas fait, c'est pas grave. L'idée, c'est que vous ayez une culture scientifique de base qui vous est apportée actuellement quand vous arrivez par votre bac S, et ça suffira. On va vous aider à progresser en termes de compétences, en termes de précision, en termes de raisonnement. Ce qu'il faut le savoir, c'est que un cycle préparatoire, c'est pas mal de travail, mais c'est dans la continuité. C'est-à-dire on ne va pas tout d'un coup devenir hyper exigeant en quantité, en qualité, en précision. On va vous apprendre à progresser. Progresser entre le bac et la première année, progresser ensuite entre la première et la deuxième année. Il y a une réelle progression pédagogique. Là où on va peut-être être intransigeant, c'est sur l'anglais. Il est coutume de dire que de toute façon, l'anglais est un outil, donc vous n'aurez pas le choix, même si vous avez été pas forcément très motivé ou très bon en anglais, vous allez le devenir, puisque de toute façon, sinon, vous ne serez pas ingénieur. Je rappelle que pour obtenir un diplôme d'ingénieur en France, il y a un niveau TOEIC, qui est un examen obligatoire du fait de l'habilitation CTI. Le niveau exigible est de 800 sur 990 pour le ISTI, CY Tech maintenant, et donc ce niveau-là n'est pas négociable. Sans ce niveau, vous n'obtenez pas le diplôme. Voilà. Alors, on va vous parler en prépa aussi des applications. Applications des sciences pour comprendre à quoi sert l'informatique, ça vous en doutez, mais à quoi servent les mathématiques et la physique. La physique est un outil pour l'ingénieur, au même titre que les maths ou l'info pour les ingénieurs de CY Tech. Pourquoi ? Parce que la plupart des problèmes de physique sont à la base des problématiques que résout l'ingénieur. Donc, si vous ne comprenez pas ce que c'est la mécanique des fluides, par exemple, vous aurez du mal à comprendre pourquoi un avion vole et pourquoi il peut en faire à repasser. Et donc, du coup, il faut comprendre la physique, il faut en avoir le vocabulaire. Par exemple, les fluides, c'est quoi un fluide? Quelle est la porosité d'une roche? Ben, ça sert à quoi? Ça sert, par exemple, à travailler dans le domaine pétrolier. Quelle est la portance d'un objet volant? Mais ça sert à comprendre pourquoi il faut avoir des moteurs sur des hélicoptères, etc., etc. Donc l'utilité des concepts, elle peut être facilement abordée en prépa. On fait des applications du type comment repère-t-on un téléphone via une triangulation sur des antennes GPS. Enfin voilà, des exercices simples. Peut-être que l'année prochaine, la mode sera à comment modélise-t-on une épidémie. Voilà. Enfin, il y a déjà eu des sujets de concours dans la modélisation des épidémies, mais je pense que c'est un sujet qui va faire fureur dans les mois à venir. On aura également des travaux pratiques. Alors, des travaux pratiques, pas juste en physique, on en a en maths, on en a en informatique, tout ça parce qu'on a des ordinateurs et que bien des choses peuvent se simuler dès la prépa. On va vous demander évidemment de travailler en général plus et mieux et de façon plus autonome qu'au lycée. Pourquoi ? Parce qu'au lycée, vous aviez peut-être des facilités, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas à fond, peut-être qu'ils posaient un peu sur leurs acquis et que ça leur a tout à fait suffi pour avoir le bac. Mais quand on devient un ingénieur, on a à cœur d'aller au bout des choses et même les petites lacunes risquent de vous rattraper un jour. Donc, on va essayer de faire en sorte que vous n'ayez plus de petites lacunes. Voilà. Donc, la capacité de travail est évidemment un facteur de réussite. On ne va pas vous demander de travailler nuit et jour. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire des études, ce n'est pas no life. Ça veut dire qu'on a aussi des activités en dehors, mais évidemment, on n'est pas dans la logique de « je m'économise et on verra si ça marche ». En général, on conseille plutôt de dire « je m'investis à fond et si ça marche très bien, je pourrais m'économiser ». Voilà, donc il faut bien mettre les priorités en adéquation avec les objectifs. Alors, pour vous aider à savoir si vous avez bien mis les priorités en place, on va suivre vos résultats. On a donc mis en place des contrôles continus dans toutes les matières, ce qui signifie que vous avez des examens chaque semaine, pas dans toutes les matières,
un relais fréquent d'examen, ce qui vous permet de savoir si vos notes sont en adéquation avec les résultats qu'on avait attendus et donc si votre travail a porté ses fruits ou pas. Et enfin, pour, disons, éviter les dérapages, on contrôle vos absences et ce contrôle d'absence et de résultats est visible des parents. Donc, sur notre plateforme, les parents peuvent consulter, grâce à un compte personnel, les résultats et les absences. Une absence, c'est pas forcément signe d'une désinvestissement de l'élève, mais c'est signe d'un problème. Voilà. Alors, outre les absences pour raisons médicales qui sont évidemment excusées, les absences sont un signe qui peut nous alerter sur votre difficulté que vous n'avez pas forcément réussi à formuler. Et pour nous, c'est une façon aussi de venir vous repêcher, de venir vous aider, de se signaler auprès de vous comme ayant remarqué que vous aviez éprouvé une difficulté à un moment donné. Donc, il ne faut pas voir le contrôle des absences comme du flicage. Il faut le voir comme une main tendue pour vous permettre d'appeler à l'aide. Voilà. Donc, maintenant, peut-être quelques mots sur le cycle ingénieur. Merci, Laurence. Le cycle ingénieur va évidemment reprendre tout ce que Laurence a dit sur le cycle préparatoire. Avec une différence, je vous ai dit tout à l'heure que l'objectif d'une école d'ingénieur, c'est de vous donner tout ce qu'il faut pour que vous ayez un métier, un job à la sortie. Donc, on va insister sur l'autonomie pédagogique, l'autonomie par les projets, etc., etc., par les stages, mais avec le véritable enjeu, c'est d'être en capacité, à votre sortie de l'école, de pouvoir vous insérer dans le monde du travail. Et j'insiste sur peut-être une phrase, un monde du travail qui bouge, qui est tout le temps changeant, où certains métiers disparaissent, certains métiers se recréent, les conditions, les écosystèmes changent, et bien c'est tout ça, on va vous donner les compétences pour pouvoir appréhender ça. Alors, plus pratiquement, on reviendra tout à l'heure sur les admissions. Si vous avez, pour ceux qui sont rentrés en post-bac, qui ont réussi le cycle préparatoire, ou peu, pour ceux qui vont nous rejoindre après une classe préparatoire traditionnelle, vous allez rentrer dans le cycle ingénieur, donc je vous ai dit en 3 ans, H1, H2, et vous, dès le début, vous choisirez entre 2 spécialités, soit les mathématiques appliquées, soit l'informatique. On reviendra tout à l'heure quel type de métier ça peut amener. Alors, il y a quelques spécificités. Laurence avait parlé du TOEIC, hein. Ça, c'est important. Donc, tout ce qui est langue, puisque un bon ingénieur, maintenant, doit maîtriser les langues, voire 2, 3, 4 langues. Plus on connaît de langues, mieux c'est, hein. Vous avez un certain nombre de stages par année. Et en gros, par exemple, sur les 3 dernières années du cycle ingénieur, vous avez 60 semaines. C'est énorme. On est parmi les écoles qui demandons le maximum de stages et les élèves sont très contents d'avoir autant de semaines de stage parce que ça leur permet de côtoyer le monde de l'entreprise, ça leur permet de côtoyer un monde qui n'est pas fait que d'enseignants, ça leur permet de voir ce qui se passe à l'extérieur. Ensuite, donc, le cycle ingénieur, la première année est assez générale, la deuxième année, vous allez commencer à vous spécialiser et à la dernière année, vous allez véritablement vous spécialiser avec ce qu'on appelle une option. Une option, c'est une spécialisation de dernière année. Alors, il y a 2 choses intéressantes. C'est que, pour certains d'entre vous qui préfèrent passer plus de temps en entreprise, vous avez la possibilité, dès la première année, d'opter pour la voie par apprentissage, on y reviendra, dès la première année, hein, ou, si vous ne voulez pas, en dernière année, donc en troisième année du cycle ingénieur, de faire un contrat de professionnalisation. Et l'intérêt pour vous, c'est d'avoir un salaire. Voilà. Alors, un mot sur les dernières spécialisations, ce que j'ai appelé options de troisième année. Sur votre écran, vous devez voir, on les voit peut-être pas, mais 2 colonnes, hein, une colonne de gauche et une colonne de droite. La colonne de gauche, c'est tout ce qui va relever de la spécialité mathématiques informatiques. Et vous voyez qu'il y a de l'ingénierie financière, Laurence en a déjà parlé, data science. Vous en avez entendu parler, analyse massive de données, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, fintech, c'est-à-dire finance et technologie. Et à droite, les options liées à la spécialité informatique, vous voyez les grands mots-clés actuels qui sont vraiment très importants parce que c'est ça qui vous explique que l'école est bien placée en termes de sortie vers le monde du travail, cybersécurité, intelligence artificielle, cloud computing, visual computing, informatique embarquée et ce qu'on appelle BI, business intelligence et analytics. On y reviendra pour certaines. Voilà, justement, Laurence,
Alors voilà, oui, voilà, tout à fait. Merci Raja. On va détailler quelques options, quelques spécialités donc de l'école, mais il serait un peu fastidieux et un peu pénible pour vous d'écouter le détail de toutes ces spécialités. Donc n'oubliez pas que sur le site de l'EISTI, esti.fr, vous allez retrouver des détails sur toutes ces options avec des idées de métiers qui vous sont proposés à la sortie, de type de poste et de contenu. Bien entendu, il ne faut pas oublier qu'une spécialité de dernière année, elle évolue avec les besoins du marché, elle évolue avec les, disons, modes, entre guillemets, scientifiques, et elle évolue avec l'actualité. L'actualité qui peut être économique, qui peut être sanitaire, comme vous le voyez en ce moment. Donc, il est très probable que lorsque vous sortirez de l'école, si vous êtes aujourd'hui en terminale, ben, les options qui seront disponibles à votre arrivée en dernière année auront évolué. Elles ont peut-être disparu, elles auront peut-être été créées entre le moment où vous êtes entré et votre arrivée en dernière année. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on est là pour changer d'avis. Changer d'avis, c'est pas négatif dans ma bouche, hein. Changer d'avis, ça veut dire s'adapter, ça veut dire faire en fonction des nouvelles compétences qu'on s'est découvertes, des nouveaux centres d'intérêt, de l'information qu'on a pu avoir, des discussions qui ont été menées également avec d'anciens élèves ou des élèves actuels, et surtout des échanges avec les professionnels que vous avez rencontrés, puisque une des forces de l'école est d'avoir des professionnels qui interviennent au cours de la scolarité et encore plus en fin de cycle. Ces professionnels sont ceux qui savent mieux encore que n'importe qui à l'école de quoi a besoin le monde de l'entreprise. Alors la plus connue peut-être de toutes les options qui sont dans les écoles comme le ISTI, c'est l'option intelligence artificielle. Qui ne connaît pas l'intelligence artificielle, bien entendu. Alors, on vous présente ici brièvement le contenu qu'on pourrait donner ou la définition qu'on pourrait donner, mais c'est un domaine extrêmement vaste qui a des liens avec d'autres options à l'école et avec d'autres secteurs. On peut traiter de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, de la sécurité, de l'environnement, évidemment. Vous allez trouver énormément de sources qui vont vous parler d'intelligence artificielle sur Internet, avec des applications qui sont d'ailleurs parfois controversées, puisque il faut savoir que l'intelligence artificielle en tant qu'option à l'ESTI est la première à avoir eu un cours d'éthique, par exemple. Donc, on n'oublie pas non plus que l'ingénieur n'est pas forcément là pour être, disons, pour ne pas se soucier des compétences qu'il a et de leur usage. Je vous ai mis à droite un petit lien Twitter qui est intéressant. C'est l'actu de IA en français. C'est pas toujours facile de trouver des liens en français parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'actualités en anglais sur le sujet. On a aussi des choses assez intéressantes qui se développent autour de l'IA sur la sociologie. Vous pourrez consulter le Monde le 25 avril a fait paraître un article sur et les usages de l'intelligence artificielle. Il y a énormément de développements actuellement en lien avec l'épidémie, notamment sur le ministère des Armées et l'usage dans les hôpitaux militaires et évidemment civils de l'intelligence artificielle pour prédire les épidémies, pour aider les soignants, pour venir en support, disons, des diagnostics. Voilà. Je pense qu'il y a un pan de l'intelligence artificielle qui est peut-être encore sous-développé et qui lui donne donc énormément de possibilités de développement à terme, qui est tout le secteur de la santé. La santé va être un énorme client, entre guillemets, pour les applications d'intelligence artificielle. Vous voyez qu'ici à gauche, on a mis un truc plus fun, c'est une voiture, ben, la voiture autonome qui va conduire toute seule. Elle marche déjà un peu, mais on n'est peut-être pas tous prêts à monter dedans encore. Donc, on va attendre un petit peu que l'IA fasse des progrès. Mais il y a d'ores et déjà énormément d'applications en IA, et donc je pense que c'est un secteur qui est très très bien parti pour se développer. Voilà, donc l'application suivante que nous avons choisie, Florent, voilà, c'est Data Science. Alors Data Science, c'est peut-être moins connu, quoique, que l'intelligence artificielle, mais il y a énormément de liens avec le sujet précédent. Le Data Science, on n'a pas d'équivalent en français, hein, désolé. C'est toute la science de l'utilisation et de l'exploitation de toutes les données. Alors pour les élèves de terminale, on pourrait présenter ça comme une extension de haut niveau des statistiques. Vous savez déjà faire des histogrammes, des camemberts, etc. Bon, mais le data science ou les data science, c'est une utilisation bien plus sophistiquée qui va nécessiter des algorithmes assez compliqués en général, qui vont pouvoir trier, analyser, répartir, classer les données. Je vais vous donner un exemple. Quand vous surfez sur Internet et quand vous êtes sur un site d'achat, par exemple,
Amazon ou n'importe quel autre site qui vous propose d'acheter des choses, va avoir pour objectif que vous achetiez le plus possible. Voilà, donc il faut savoir quand même hein, qu'on est la proie de ce site. Il va donc essayer de vous présenter des objets qui vous donneront envie de passer à l'acte d'achat. Pour pouvoir faire cette proposition, il va essayer de vous rapprocher d'un groupe d'internautes qui se sont précédemment rendus sur le site. Il va essayer d'identifier votre profil, donc par rapport à des traces que vous avez pu laisser, par rapport au fait que si vous regardez des robes roses, il est probable que vous êtes une fille. Voilà. Et donc, il vous présentera des objets qui sont susceptibles de vous intéresser, car il a compris que vous êtes dans un groupe qui sont les personnes de sexe féminin, de tel type de tranche d'âge, etc., etc. Tout ça, c'est de la data science. On va vous trier, on va vous assimiler à un groupe, on va apprendre de votre comportement ce qui pourrait être le clic suivant, et on va donc essayer de vous proposer les objets qui vous intéressent, tout ça en temps réel. Et donc, on est obligé aussi de traiter ces données qui sont volumineuses avec des gros moyens de calcul, d'où le lien avec d'autres spécialités comme le cloud computing et le traitement des données avec des gros volumes et des grosses fréquences. Alors, vous trouvez à droite aussi ici quelques petits liens sur des comptes Twitter. Là, malheureusement, j'ai trouvé surtout des choses en anglais, mais c'est intéressant, vous allez pouvoir trouver aussi éventuellement des applications ou de l'actualité. Il faut savoir que la data science, c'est un des secteurs où on embauche énormément et dans beaucoup de secteurs, parce que finalement, les banques ont déjà commencé depuis très longtemps à essayer de traiter leurs données, mais les télécoms en ont besoin, les transports aussi, l'industrie en général et tout le monde d'Internet traite énormément de flux de données, que vous le sachiez ou pas d'ailleurs, ce qui en fait un des sujets un peu de controverse, voilà, de l'exploitation des données. Si demain vous acceptez que votre téléphone trace votre parcours dans l'objectif d'identifier qui vous avez pu croiser qui serait porteur de maladie, même par exemple, ça passera par des algorithmes de data science. Donc, d'où l'actualité un peu plus cuisante que d'habitude. Voilà. Alors, option suivante qui est aussi très bien connue, c'est la cybersécurité. Alors, la cybersécurité, vous avez évidemment depuis longtemps des exemples, disons, de ce à quoi ça peut conduire. Alors, c'est parfois des exemples désagréables, hein. On a pu hacker votre compte bancaire et faire des achats sur votre compte. C'est pas forcément toujours des exemples aussi désagréables, hein, heureusement. Mais la cybersécurité, c'est vraiment un sujet sur lequel on est très sensibilisé dans le public. Vous voyez ici à droite beaucoup de liens que l'on trouve en français. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est un organe de référence pour définir des règles, pour les faire respecter, pour sensibiliser les entreprises aussi. On a énormément de liens avec des entreprises parce qu'elles sont des proies faciles, évidemment. Ce sont des challenges financiers avant d'être des challenges de sécurité, je dirais, de données. Puisqu'une entreprise qui voit hacker son compte et répandre les informations personnelles de ses clients, par exemple, est proche de la faillite, hein, parce qu'elle aura prouvé qu'elle était incapable d'assurer, disons, la sauvegarde des informations qui lui sont confiées. Il y a des enjeux de sécurité nationale. Donc, on a aussi pas mal d'élèves qui regardent du côté de choses qui sont, disons, la réserve nationale en cybersécurité, qui sont réservistes dans des grandes entreprises. La défense nationale est évidemment un des clients de la cybersécurité, puisque il faut se protéger à tous les niveaux, que ce soit pour les armes, mais aussi tout simplement pour le terrorisme, qui manifestement a parfois une petite longueur d'avance, disons, sur le public. Et donc, c'est un enjeu d'avenir. Si vous voulez avoir des petites informations sur les métiers de la cybersécurité, vous pouvez vous rendre, je l'ai notifié en bas ici, sur le site du CENTEC. Le CENTEC, c'est l'organisme qui fédère toutes les entreprises de l'informatique. Et ce CENTEC a publié un Dayclick, c'est sa revue annuelle, en septembre 2019 sur la cybersécurité. Donc, vous allez trouver les termes, les secteurs, un ensemble de détails intéressants qui pourraient donc vous donner des idées sur ce que vous pourriez faire plus tard. Voilà. Petit passage, voilà, sur un sujet plus mathématique maintenant. La dernière option que nous allons vous présenter, c'est l'option d'ingénierie financière.
L'ingénierie financière, c'est une option mathématique, j'allais dire presque pure, c'est-à-dire ce sont des mathématiques appliquées, mais avec des concepts assez pointus, théoriques, qui va servir dans la finance, dans l'assurance, dans la gestion du risque, l'actuariat, etc. Et il y a différents outils, souvent assez pointus, donc c'est une option pour les vrais matheux, on va dire. Et qui est faite chez nous en partenariat avec l'Université de Paris-Dauphine, puisque nous avons des doubles diplômes avec Dauphine. C'est pourquoi vous voyez le logo de Dauphine sur le côté droit de l'écran. Voilà. Il faut savoir que c'est une option qui vous conduira sans doute à travailler à l'international dans des grandes places financières, Singapour, Londres, New York, etc. Donc, c'est l'option de. Disons, qui nous conduit à suivre nos élèves tout autour du monde et souvent avec des salaires qui évoluent très vite. Voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir comment nos élèves peuvent évoluer au cours du temps dans cette option comme dans les autres, évidemment, mais dans celle-là, souvent plus rapidement. Voilà. On va peut-être passer à une petite phase de réponse aux questions, sauf si Raja, tu veux ajouter quelque chose sur les options. Oui, sur la dernière en particulier, tu as déjà dit beaucoup de choses en partenariat avec Dauphine. Deux choses, vous avez, Laurence l'a dit au début, mais on le répète, l'école, elle s'adapte tout le temps. Et tu as dit le mot juste, si une spécialisation, une option ne donne pas de travail, on va la fermer. Par contre, si nous avons des demandes, par exemple sur la cyber, il y a une grosse entreprise qui nous a approchés, c'est pour ça qu'on l'a ouverte cette année, on ouvre, on ferme les options par rapport au marché et bien sûr par rapport aux demandes aussi des élèves. Si les élèves, par exemple, c'est aussi le retour d'expérience aussi des élèves. Et sur l'ingénierie financière, qui est une option phare de l'école historiquement, hein, et grâce en particulier au partenariat avec l'Université Paris-Dauphine, tu as tout dit, et elle restera, à mon avis, encore une option phare pendant quelques années. Tout à fait, voilà. Alors, bien entendu, il y a plein d'autres options intéressantes. Hein. On en a choisi quatre. C'est pas parce qu'on voulait parler que de celle-là. C'est pour pas vous lasser sur des détails très très compliqués. Je pense que c'est intéressant pour vous d'avoir un esprit ouvert en tant que nouveau élève, que vous soyez niveau bac ou niveau prépa ou même en cours d'études. N'oubliez pas qu'avoir l'esprit ouvert, c'est vous ouvrir à toutes les possibilités qui existent. Voilà. Alors, il y a une question sur le chat qui est, en effet, on aurait dû penser à vous le préciser. Je relis la question. Les 2 ans de cycle pré-ingénieur et donc prépa correspondent-ils à un tronc commun? Oui, évidemment. La prépa, c'est un temps de réflexion pour votre orientation. C'est un temps pendant lequel vous allez pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, changer d'avis. Donc, on va présenter à toutes les personnes qui s'orienteront soit vers maths appliquées, soit vers informatique, le même menu. Alors, pourquoi le même menu? Parce que pour bien faire de l'informatique, il faut faire des maths. Et pour bien faire des maths, et pour vendre ses compétences en maths, il faut avoir des compétences en informatique. Donc, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Alors, malheureusement, pour ceux qui en auraient un peu soupé, leur niveau de maths en terminale n'est pas suffisant pour faire de l'informatique dans l'enseignement supérieur. Voilà. Il ne faut pas être, je dirais, naïf, hein. L'informatique à ce niveau, faire de l'intelligence artificielle, c'est comprendre des mathématiques que vous ne connaissez pas encore. La topologie des réseaux, par exemple, c'est comment est-ce qu'on calcule une distance entre deux objets. Je vais vous donner un exemple simple, hein. Vous avez peut-être pu voir un reportage sur les silos les entrepôts de logistique d'Amazon cette semaine sur, je sais plus quelle chaîne à la télé. Amazon utilise dans ses entrepôts ce qu'on appelle la distance du voyageur de commerce pour calculer le nombre minimal de pas que ces opérateurs vont faire entre deux rayons pour aller chercher deux colis. Voilà. Et la distance, c'est pas à vol d'oiseau parce qu'ils peuvent pas passer à travers les rayons, ça vous vous en doutiez. C'est pas non plus au pif parce que là, sinon, ils vont avoir besoin de rollers pour faire leurs courses dans les rayons. Il y a des notions mathématiques qui régissent le calcul des distances. Ces notions, ce sont typiquement celles qu'on va utiliser dans des graphes pour aller d'un objet à l'autre. Alors, quand on dit un objet, ça peut être un objet dans un entrepôt Amazon, mais ça peut être un ensemble de données dans une base de données. Ça peut être des objets qui sont dans un espace multidimensionnel à 10, 15, 20 dimensions. Évidemment, ça dépasse un peu ce que votre intuition peut créer. Donc, il va falloir apprendre des nouvelles techniques mathématiques, des nouveaux concepts qui vont vous aider à résoudre ces problèmes qui sont des problèmes compliqués. Voilà.
Alors, vous avez aussi beaucoup de questions sur les nouvelles formations. Alors, peut-être que Raja, tu peux détailler un petit peu. Je pense qu'il s'agit de biotechnologie et génie civil. Oui, tout à fait. Merci pour cette question. Sur les deux nouvelles spécialisations, donc on rappelle, on a beaucoup insisté, on va insister essentiellement aujourd'hui sur les deux spécialités historiques que sont les mathématiques et l'informatique. Mais je vous ai dit, la nouvelle opportunité, c'est d'avoir plus de spécialités de diplôme d'ingénieur. Donc on va en ouvrir deux à la rentrée. Une en génie civil, donc tout ce qui est au niveau autour du bâtiment. De la chaussée, etc., le génie civil au sens large, et une autre en biotechnologie et chimie. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont essentiellement intéressés par les mathématiques ou l'informatique, et Laurence vous a spécifié un certain nombre d'options, en quoi ça peut être intéressant de savoir qu'une école va ouvrir deux spécialités? Ben, je vais vous en donner deux. Lorsqu'on parle de génie civil, je vous ai dit le mot-clé, eh ben, on pense tout de suite à bâtiment intelligent. Ville intelligente. Et là, l'apport des mathématiques et de l'informatique est extrêmement important. Et ça vous donne une opportunité pour vous qui allez choisir la spécialité mathématique ou la spécialité informatique, c'est d'aller vers, d'abord vers cette, d'aller vous échanger, avoir des compétences du côté génie civil, ça peut être par des projets, ça peut être par des stages, mais dans le sens mathématique ou informatique pour le génie civil. Et en plus, ça va vous ouvrir un certain nombre d'autres entreprises qui étaient plutôt liées au bâtiment, et que nous n'arrivons pas à capter. Deuxième spécialité qu'on va ouvrir, c'est les biotechnologies et chimie. Bon, la crise actuelle montre toute l'utilité des outils numériques. Eh bien, là aussi, c'est une formidable opportunité pour ceux qui vont choisir la spécialité mathématiques appliquées ou la spécialité informatique d'aller mettre leurs compétences au service des entreprises du secteur biotechnologie et chimie. Si vous voulez plus de réponses, vous pouvez les poser dans le chat, hein, dans les chats. Mais pareil, vous pouvez consulter les sites, vous pouvez joindre les différents liens qu'on vous a donnés pour avoir un peu plus de retours et de réponses sur ces nouvelles spécialités. Oui, tout à fait. Comme tu le disais, Raja, la nouvelle ville, la ville connectée, c'est une ville avec de l'informatique embarquée. Donc, il suffit pas de faire des bâtiments dans les nouvelles villes. Il faut aussi mettre dans ces bâtiments de l'intelligence, d'où la connexion logique entre le bâtiment et peut-être l'informatique embarquée, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, etc., etc. Voilà. Peut-être si je peux compléter, si je peux compléter par rapport à ces deux spécialités, parce qu'il y a des questions qui assez fréquentes sur le nombre d'élèves hein, par promo, et ça c'est important. Une école, elle grossit pas par hasard. Elle grossit parce que elle a besoin de visibilité. Et pourquoi une école a besoin de visibilité? Je l'ai dit au départ, parce que plus l'école est visible, plus vous aurez une chance d'avoir un bon job et de progresser dans votre carrière. Le fait de nous agrandir sur les promos, actuellement nous sommes à 350 sur les deux spécialités hein, par promo, les deux sites confondus, et l'idée c'est de petit à petit d'augmenter. Lorsqu'on augmente le nombre d'élèves par promo, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente le nombre d'anciens élèves. Nous avons à peu près 4000 anciens élèves qui sont très, très, très moteurs. Peut-être pas tous, mais pour un nombre d'entre eux, pour trouver des stages, pour trouver les premiers jobs, eh bien le fait d'augmenter le nombre d'élèves, ça va nous faire augmenter le nombre d'anciens élèves, et ça c'est très important pour trouver les jobs, etc., etc. Et ça va être la même chose pour les deux nouvelles spécialités. On va commencer petit, hein, vers des promos de 50-50 sur chaque. Et vous voyez, si on additionne tout ça, on arrive très facilement à 550-600. 550-600 sur une école en 5 ans, donc 2 plus 3, allez, on va mettre, pour arrondir 600 fois 7, ça vous fait 3000 étudiants. C'est-à-dire que d'un coup, on va passer, on est à peu près à 1800, hein, en gros, on va passer à 3000 étudiants. Alors, il faut pas avoir peur. 3000, c'est l'ensemble des spécialités. Mais sur le focus, c'est pas parce qu'on augmente le nombre d'étudiants que tout de suite la pédagogie va changer et qu'on s'occupera. Non, on se rassure aussi, on veut rester humain, mais on est conscient que si on va amener les élèves à avoir un boulot et un bon boulot et à s'épanouir, eh bien, il faut que l'école, elle fasse son travail et il faut qu'elle fasse tout ce qu'il faut pour être visible. Voilà.
Très bien. On a aussi quelques questions sur les stages. C'est vrai qu'on n'a pas donné beaucoup de détails. Alors, rapidement quand même, les stages commencent en cycle ingénieur. Donc, en prépa, vous pouvez tout à fait faire des périodes en entreprise si vous le souhaitez. On conseille éventuellement aussi beaucoup les séjours à l'étranger, que ce soit, disons, à titre bénévole ou à titre de stage. Mais ils ne sont pas obligatoires en prépa. En revanche, les stages sont obligatoires au niveau du cycle ingénieur. Donc, on commence par 3 mois en première année, on augmente à 4 en deuxième année et puis à 6 en dernière année. Chaque stage est rémunéré. C'est l'élève qui va le trouver, mais avec le support du service des relations entreprises qui va relayer les offres, qui va aussi mettre des plateformes à votre disposition. Pourquoi c'est à l'élève de le trouver? Ben, tout simplement parce qu'il le choisit. On va pas vous envoyer de force dans une entreprise, je sais pas, qui fait de l'aéronautique, si vous détestez les avions et que vous avez une phobie de voler un avion. Ce serait peut-être un peu méchant. Mais c'est aussi une façon de commencer à apprendre à trouver votre futur métier. Donc c'est un premier pied à l'étrier à comment on fait un CV, comment on fait une lettre de motivation, comment on répond à un entretien, comment on relance une entreprise. Beaucoup d'élèves croient que l'entreprise va forcément leur répondre. Alors ça, c'est dans le monde des bisounours, mais l'entreprise, elle a beaucoup, beaucoup de CV, beaucoup, beaucoup de sollicitations. Donc, elle attend que l'élève la relance. Donc ça, on apprend aussi à nos élèves que relancer, c'est pas déranger. Relancer, c'est montrer sa motivation. Voilà, c'est autre chose. Donc, tous ces stages vont concourir à faire de vous un professionnel avec expérience avant même que vous soyez diplômé. C'est un de vos atouts. C'est aussi un des atouts que l'école vous offre dans la comparaison avec d'autres écoles qui auront peut-être moins de semaines de stage. Ces stages sont rémunérés. Ces stages peuvent se faire à l'étranger. On n'en a pas beaucoup parlé. La mobilité à l'international peut se faire académique en ayant un pied dans une autre université ou école, mais elle peut se faire aussi en ayant fait un stage à l'étranger. Donc, c'est une façon de mettre à profit vos compétences linguistiques, de peut-être les approfondir. Et c'est surtout la meilleure façon d'obtenir une première expérience et de vous rendre compte de ce qu'est le monde du travail. Le monde du travail avec ses contraintes, avec ses atouts, avec son ouverture et avec une chose très, très gratifiante, c'est qu'on va vous faire confiance pour exécuter des missions et qu'on va vous donner des responsabilités. Voilà, et ça, c'est une première découverte que les élèves de cycle ingénieur de première année sont ravis de faire parce que quand ils reviennent de leur premier stage, ils disent oh, c'est super, on m'a donné des responsabilités. Voilà, chose dont évidemment, ils n'ont pas forcément l'impression qu'elle est présente à l'école, puisqu'à l'école, on vous demande beaucoup de travailler, mais vous vous sentez parfois un peu infantilisé. Voilà, donc l'entreprise, c'est la première façon d'avoir de l'expérience. Mais j'insiste, les stages sont rémunérés en France, puisque à l'international, la loi française n'agit pas, on va dire. Et évidemment, à l'extérieur, ben, c'est la loi de chaque pays, de chaque entreprise qui sera appliquée. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions sur le sujet, donc je pense qu'on peut passer à notre paragraphe suivant. Mais n'hésitez pas à reposer vos questions si nécessaire. Voilà, notre paragraphe suivant, ce sera les admissions. Voilà. Donc, les admissions, c'est un vaste sujet, un sujet qui vous intéresse, voire qui vous inquiète parfois. On va vous présenter tout de suite un panorama global des admissions, mais n'hésitez pas à poser des questions détaillées parce que les admissions, c'est assez compliqué. Voilà. Donc, les admissions au global se présentent d'abord en fonction de votre scolarité. Donc, vous voyez qu'ici, on a représenté les deux cycles, le cycle préparatoire ou pré-ingénieur et le cycle ingénieur. Chaque cycle a donc 2 années pour le premier, 3 années pour le suivant, avant d'atteindre la diplomation. Alors, sujet qu'on ne détaillera pas trop, c'est les candidatures des candidats internationaux, parce que c'est un vaste sujet un peu compliqué. Donc, vous pouvez trouver sur notre site la procédure en fonction de l'année et en fonction de la spécialité. Globalement, pour les internationaux, hein, c'est simple, c'est dossier plus entretien, voilà. Et on va passer tout de suite aux candidatures des différentes formations en fonction de votre niveau d'études. Alors, si vous êtes actuellement au niveau bac, pour l'instant, ce bac s'appelle S. Bientôt, il ne s'appellera plus S et vous serez dans le cadre de la réforme du bac. Donc, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Actuellement, donc, vous allez passer le concours à venir.
Le concours à venir, vous vous y êtes déjà inscrit si vous étiez en terminale cette année. Comme vous le savez, les épreuves ont été modifiées puisque, dû au confinement et aux mesures préalables, il n'est plus possible de procéder à des épreuves écrites qui étaient prévues. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Ben, il y a eu une modification de la façon dont on avait prévu notre classement. Le classement de tous les 9 000 et quelques candidats qui se sont inscrits à l'une des écoles du concours à venir va se faire sur des critères que je vous détaillerai tout à l'heure. Voilà. Mais uniquement sur des critères qui sont leurs dossiers et non plus les épreuves. Ensuite, on va passer aux personnes qui vont nous rejoindre à partir d'une formation de l'enseignement supérieur. Alors, soit en première, soit en deuxième année. Donc, si vous avez entamé des études de PACES ou donc les études de médecine, ou si vous avez commencé un autre type de cursus et que vous êtes déjà dans l'enseignement supérieur, vous n'êtes pas éligible à l'entrée via Avenir Bac, mais à l'entrée via le concours Avenir Plus. On parlera tout à l'heure des épreuves. Donc c'est une plateforme dédiée, toujours pareil, c'est dossier plus entretien. Vous pouvez ainsi rentrer directement dans notre cycle préparatoire. Pour ce qui concerne les étudiants qui sont déjà au-delà, la grande majorité des gens qui vont nous rejoindre sont des candidats qui sont dans ce qu'on appelle la CPGE. Alors, qu'est-ce que c'est CPGE? C'est classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, pour les parents, c'est ce qu'on appelait autrefois SUPESP. Voilà. Donc, mathématiques supérieures, mathématiques spéciales, pas forcément en maths d'ailleurs. Donc, vous avez quatre sections qui peuvent nous rejoindre. C'est les sections de MP, maths physique, PC, physique chimie, PSI, physique et sciences de l'ingénieur, PT, physique et technologie, qui vont nous rejoindre par le biais du concours CCINP. Donc, vous voyez le logo ici. Concours dont je vous reparlerai tout à l'heure et qui va bientôt se dérouler, qui fait donc suite à 2 années de prépa, en général en lycée. Alors ensuite, le public suivant, ce sont tous les gens qui sont déjà dans l'enseignement supérieur au niveau deuxième, troisième année. Alors c'est peut-être votre cas si vous êtes actuellement en licence. Donc nous prenons des candidats de licence scientifique essentiellement, de diplôme universitaire de technologie, donc DUT, ou de prépa TSI. Les prépa TSI, ce sont des classes préparatoires aux grandes écoles qui sont effectuées après une classe de bac STI 2D. Donc c'est des prépas technologiques. Toutes ces prépas sont sur admission parallèle, ou toutes ces formations, disons, intègrent sur admission parallèle. Admission parallèle, toujours sur Avenir Plus. Et de la même façon, les Master 1 peuvent intégrer sur l'admission parallèle, mais ceci en deuxième année de cycle ingénieur. Alors, de toute façon, ne vous inquiétez pas, si vous avez des doutes lorsque vous êtes déjà dans l'enseignement supérieur sur l'année dans laquelle vous pourriez intégrer l'école, vous allez postuler sur Avenir Plus et ensuite, au cours de l'entretien ou au cours des échanges, on vous aidera à savoir dans quelle année vous pouvez intégrer. Quand je vous dis on vous aidera, si on décidera pour vous, parce qu'on est programme, ne sont pas compatibles avec le fait de rentrer dans l'année dans laquelle vous aviez postulé. Et de la même façon, on vous aidera aussi à choisir dans quelle spécialité ou dans quel parcours de deuxième année, puisqu'il y a aussi une subdivision en deuxième année, dans quel parcours donc vous pouvez postuler. Voilà. Donc c'est un sujet qui est vaste, qui est compliqué. On est habitué à traiter ce sujet. On va en reparler tout à l'heure en détail, mais surtout n'hésitez pas à poser des questions. Alors, je vais laisser la parole à Raja pour la nouveauté 2020. Merci Laurence. Eh bien la nouveauté, on a déjà parlé de beaucoup de nouveautés, hein, et on a parlé de beaucoup de nouveautés, on l'a mentionné, c'est avoir un diplôme d'ingénieur par ce qu'on appelle la voie d'apprentissage. Je vous avais parlé tout à l'heure du système qui existe actuellement, les contrats pro, mais un contrat pro, ça n'existe qu'en dernière année du cycle ingénieur. C'est une sorte de mi-temps, école-entreprise. Eh bien maintenant, nous allons ouvrir la rentrée septembre 2020. Dans les deux spécialités, mathématiques appliquées et informatique, deux nouvelles voies de formation en apprentissage, c'est-à-dire vous serez en apprentissage en Inge 1, en Inge 2 et en Inge 3. En gros, qu'est-ce que c'est? Suivre et avoir ce diplôme d'ingénieur par apprentissage, c'est ce que je disais pour les contrats pro, un mi-temps en entreprise. Donc la première année, vous aurez un mi-temps en entreprise, la deuxième année, un mi-temps en entreprise, la troisième année, un mi-temps en entreprise. Et grosso modo, vous pouvez retenir, ça, je serai une semaine sur l'école et je serai une semaine en entreprise. Et quel est l'intérêt? Il y en a deux.
D'abord, c'est qu'on apprend des langues différentes. Certains d'entre vous, vous préférez avoir cette cité entre le monde du travail et le monde d'une. Et là, je pense que c'est important. Même a dit que les frais de scolarité baissent. C'est deux choses. D'abord, c'est l'entreprise qui prend en charge vos frais de scolarité. D'accord? Et on se percevrait un salaire. On vous a mis une fourchette qui est entre 1100 et 1500 euros. Tout à l'heure, Laurence vous a fait un résumé des voies d'admission dans l'école d'ingénieur par voie normale, hein, c'est-à-dire Je crois qu'on a perdu Raja, en tout cas, j'ai plus de son. Je vais peut-être prendre le relais. Voilà, alors on vous a fait un petit résumé sur les voies d'admission dans l'école d'ingénieurs classique ou dans la prépa. Ben, il faut retenir que finalement, les profils qui sont accessibles pour l'apprentissage sont les mêmes profils que ceux qu'on va avoir sélectionnés pour l'école d'ingénieurs. Vous retrouvez ici à gauche les classes préparatoires aux grandes écoles qui peuvent évidemment postuler et toutes les filières qui sont en licence, DUT ou prépa technologique. Il n'y a pas de sélection particulière. En tout cas, il n'y a pas de discrimination d'un côté ou de l'autre. On ne va pas vous classer dans la catégorie qui nous arrange. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'inscription et les voies d'admission ne sont pas les mêmes que celles de l'école d'ingénieurs classique, puisque vous retrouverez sur notre site ici le lien, puisqu'on passe par un CFA, un centre de formation des apprentis. Donc, il y a des critères un peu différents, notamment sur la motivation, puisque vous allez vous engager avec une entreprise qui va être notre partenaire et votre employeur. Et donc, on va vous demander quand même de pouvoir nous prouver que vous allez avoir une capacité à résister pendant 3 ans. Parce que l'entreprise s'engage avec vous et avec nous. Elle tient évidemment à ce que vous finissiez votre cursus, puisqu'elle va payer votre formation. Et 3 ans, c'est long pour elle comme pour vous. Donc, il faut être vraiment motivé et conscient du fait que vous allez cumuler le parcours en entreprise et le parcours à l'école. Donc, c'est pas forcément la voie de la facilité, il faut être honnête, hein. Faire de l'apprentissage, c'est travailler pendant les vacances alors que les autres vont se reposer. C'est avoir à réviser le soir alors qu'on a passé sa journée en entreprise. C'est parfois un petit peu compliqué. Mais l'avantage est évidemment que vous êtes salarié. Donc, pour toutes les personnes qui ont une préoccupation financière, c'est intéressant. Et vous avez également une expérience professionnelle accrue, ce qui augmente votre capacité à trouver du travail. Voilà. Ah, Raja est revenu. Voilà, peut-être que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit. Oui, Raja? désolé, micro coupure. Je pense que Laurence, que tu as. Oui, vous. Ah. C'est bon. Demandez. Oui, c'est bon. Hein. Il est essentiel de comprendre que c'est quelque chose que nous voulions faire de nombreuses années. Nous l'avons mis en place. Tout à l'heure, on parlait de diplôme. Exactement le même diplôme sur les deux sites. Nous faisons caler parce que nous faisons un test cette année sur Cergy avant de lancer sur Pau, mais notre plus est clair, il va permettre aux étudiants qui ont envie d'avoir ce genre de dispositif d'apprentissage, c'est-à-dire passer la moitié du temps en entreprise et l'autre en école, nous voulons offrir cette possibilité aux. Ah, je crois que ça a ressauté un petit peu. Voilà, alors peut-être que je peux poursuivre la discussion sans trahir les propos de Raja. Raja, tu es là sinon? Non? Je vais finir, Florence, sur l'apprentissage. Sur l'apprentissage, en effet, c'est un projet qu'on avait depuis de nombreuses années, mais il ne faut pas oublier que la commission des titres d'ingénieur doit être d'accord, elle aussi. Donc, on a eu la labellisation. C'est un projet qui est lourd à monter, qui a des enjeux, donc on le montera pour l'instant sur le campus de Cergy. Et si tout va bien, en 2021, comme vous le voyez, on le déploiera également sur le campus de Pau. Voilà. Raja, tu es revenu, je crois. Peut-être quelque chose à ajouter? Non? Tu as tout dit. Bien. Bon, on a tout dit, très bien. Alors, on va passer à la suite.
On va passer à la suite. On va déployer un peu plus en détail chacune des voies de recrutement pour vous expliquer, parce que vous êtes nombreux à poser des questions sur ces sujets-là. Alors peut-être un préalable qui n'est pas dans les voies de recrutement. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur les spécialités que l'on recommanderait pour ensuite accéder à CY Tech lorsqu'on est en première ou lorsqu'on est en seconde et qu'on va passer en première. Donc j'en profite pour répondre à la question. La première, c'est une classe dans laquelle vous êtes, où vous allez entrer et dans laquelle il faut choisir trois spécialités. Nous recommandons de façon absolument incontournable les mathématiques. Nous avons, via le concours à venir, fait savoir qu'il était nécessaire d'avoir choisi la spécialité physique, mais que pour l'année prochaine, on ferait une dérogation au cas où vous n'auriez pas eu connaissance de cette préconisation. Néanmoins, ça reste une spécialité importante pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Je répète, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, la physique est une des sciences qui est la base de l'apprentissage et de la compétence de l'ingénieur. Et elle lui permet, ne serait-ce que le vocabulaire lui permet de comprendre les problématiques. Si vous n'avez pas fait de physique en première, vous n'aurez pas fait de mécanique, vous ne comprendrez pas la chute des corps dans l'atmosphère et vous aurez du mal à répondre à plein de problématiques de l'ingénierie. Donc, on vous recommande la physique. Et sur la troisième spécialité, alors elle est libre. Néanmoins, il est peut-être intéressant quand même de se concentrer sur des spécialités scientifique, parce que en terminale, vous devrez choisir deux spécialités parmi les trois que vous aviez en première. Or, si vous avez choisi macramé poterie dans troisième spécialité, je rigole parce que ça n'existe pas, bien sûr, comme ça je ne dis pas de mal d'aucune des spécialités non scientifiques. Si vous avez choisi macramé poterie, vous n'aurez plus le choix en terminale si vous voulez garder deux spécialités scientifiques. Donc, l'informatique est une bonne option, les sciences de l'ingénieur sont une autre bonne option. Pour l'instant, la SVT pour maths et info n'est pas indispensable, mais pour biotech, elle sera bien plus intéressante. Voilà, donc pour les premières, je pense que maths incontournable en première et terminale, physique fortement souhaitée au moins en première, et maths experte, ne pas oublier maths experte en terminale, puisque c'est un complément au programme de mathématiques et non pas maths complémentaire, attention. Maths experte qui va traiter de sujets qui ne seront pas abordés dans le tronc commun et qui seront réabordés en prépa, mais plus vous en savez et plus vous êtes en avance. Voilà. Donc je re-switch sur la suite de notre présentation. Donc alors Florent, reviens s'il te plaît sur le concours à venir. Voilà, merci. Donc le concours à venir, comme je le disais tout à l'heure, les modalités cette année sont modifiées puisqu'on a annulé les épreuves écrites. On va prendre en compte votre dossier Parcoursup. Et on va prendre tout ce que l'on peut utiliser dans votre dossier, à savoir les bulletins de première et de terminale, les deux trimestres de terminale, les notes du bac de français, toutes les appréciations que vos profs ou votre institution ont pu mettre dans votre fiche à venir, votre rang dans la classe, l'homogénéité de vos notes, c'est-à-dire on aime bien les élèves qui sont curieux de l'histoire géo, peut-être de la philo si c'est possible, ça c'est parfois un peu plus dur, de la SVT, des langues. Et on aime moins dans les écoles d'ingénieurs des gens qui seraient les monomaniaques des mathématiques, même si j'ai dit qu'il fallait en faire et ça reste vrai, mais qui négligeraient toute la partie littéraire ou économique de leur formation. Voilà, donc l'homogénéité, c'est ça. On va prendre en compte le niveau de votre classe qui est indiqué dans votre dossier également, puisqu'évidemment, être moyenne dans une très bonne classe, ben, c'est forcément déjà un atout qui est peut-être plus important et plus valorisable que d'être très bon dans une classe à niveau faible. Voilà. On va prendre en compte votre lycée par le biais du taux de mention au bac et du taux de réussite au bac, puisque dans un très grand lycée, il y a des classes élitistes qui sont peut-être des classes où on arrive un peu moins à tirer son épingle du jeu que dans un lycée moins ambitieux. Voilà. Tous ces éléments aboutissent à un classement. Ce classement, il est le même pour toutes les écoles du concours à venir. Vous voyez ici que nous avons 8 grandes écoles sur le concours à venir. Ce classement va permettre, au vu des écoles que vous avez sélectionnées dans l'avenir et à l'extérieur des autres formations, de vous faire des propositions. Les premières propositions, comme vous le savez sans doute, seront publiées le 19 mai. Et vous aurez ensuite, selon le calendrier Parcoursup, des dates pour répondre. Ne vous inquiétez pas, surtout si vous n'êtes pas appelé dans une formation dès le début. Parcoursup, c'est la guerre des nerfs, comme je dis souvent aux parents. La guerre des nerfs, ça veut dire que vous devez attendre
que la place se libère. Alors, vous avez des indicateurs sur Parcoursup. N'oubliez pas que vous pouvez voir votre rang en liste d'attente et que vous pouvez également savoir quel est le rang du dernier admis de l'année dernière. Ça vous donne une très bonne idée de votre positionnement par rapport à la possibilité qu'on vous appelle à un moment donné. Donc, si vous êtes, 3 millième, par exemple, sur 9000, vous voyez, donc le panel est vaste, et que le dernier admis l'année dernière a été au rang 4000, ben, vous vous dites, bon, ben voilà, c'est jouable. Sachant que entre 3000 et 4000, c'est des rangs globaux, mais tout le monde n'a pas participé, n'a pas postulé à la même école, donc vous serez peut-être, il y aura peut-être, 40 personnes qui auront postulé sur les 1000 du concours à venir. Donc vous avez l'indication, vous, du nombre de gens qui postulent effectivement. Nous, on l'a pas, mais vous l'avez. Voilà. Donc surtout ne pas speeder, ne pas s'énerver. En revanche, bien surveiller son mail, bien surveiller les propositions qui sont faites, et surtout n'oubliez pas de regarder, parce que c'est un planning contraint. Vous devez répondre vite sur Parcoursup. Et plus la phase avance, et plus vous devez répondre vite. Voilà. La slide suivante, on va vous parler du concours Avenir Plus. Donc, Avenir Plus, je vous rappelle, ce sont les candidats qui sont déjà dans l'enseignement supérieur, qui ont déjà le bac, hein, c'est important à comprendre. Donc, le concours Avenir Plus n'a pas beaucoup évolué cette année par rapport à ce qui était prévu, si ce n'est que les entretiens de motivation se feront en visio et non pas en présentiel, du fait qu'on ne peut plus ouvrir nos campus. Une des phases est déjà terminée, les gens ont eu leurs résultats. La phase 2 se terminera le 19 juin et la phase 3 commencera à partir du 23 mai. Voilà, donc on étudie votre dossier, pensez bien à donner tous vos bulletins sur la plateforme, à nous faire part de votre motivation, c'est important. Il y a une zone sur la motivation, remplissez-la, expliquez-nous pourquoi vous voulez nous rejoindre, c'est important. Il n'y a pas que le résultat qui compte. Voilà, on veut savoir pourquoi vous nous avez choisi, pour savoir si on vous choisit aussi en retour. Voilà. Le schéma suivant d'admission, Florence, s'il te plaît, voilà, c'est le concours CCINP. Donc, je vous rappelle que ce sont les candidats qui sont issus des classes préparatoires aux grandes écoles. Alors là aussi, pas mal de modifications à la fois de contenu et d'agenda qui ont été occasionnées par l'épidémie. Donc, plus d'épreuves orales de TIPE, les candidats sont informés, bien sûr. Les écrits sont décalés du 2 au 7 juillet, donc ça va être une longue année. Et le premier appel de CCINP se fera le 12 août. Donc, vous aurez des résultats et vous aurez à choisir. Voilà. Je rappelle donc ici les filières et je rappelle aussi que pour les CPGE TSI, l'admission se fait sur Avenir Plus, donc la plateforme que je viens de détailler pour vous. Voilà. Peut-être un petit focus sur les internationaux, tout à fait. Donc, pour les candidats internationaux, alors, on a une plateforme qui est accessible sur notre site qui vous permet de déposer vos dossiers papier. On étudie aussi vite que possible vos dossiers papier, mais parfois, il y a un peu de retard, donc ne nous en veuillez pas. Ensuite, si vous êtes retenu, on vous envoie une invitation pour un entretien. L'entretien de motivation se fait en visio, évidemment, puisque vous êtes en général à l'étranger et assez loin. Mais ceci ne vous dispense pas d'effectuer vos formalités de demande de visa par Campus France, évidemment. Cette année, nous allons modifier et aménager nos modalités pédagogiques parce que, du fait que les visas sont bloqués pour l'instant, nous n'avons pas de visibilité sur la date à laquelle nous pourrons accueillir des gens, disons, dans nos campus, puisque tout simplement, ils ne peuvent pas entrer sur le territoire national. La modalité que nous avons mise au point, que nous allons annoncer par écrit dans les jours prochains, c'est que le premier semestre pour tous les candidats internationaux se fera en distanciel. Donc, il se fera grâce à un suivi rapproché, effectué par les professeurs et par un élève qui sera votre mentor, votre tuteur. Ce suivi se fera bien entendu par Internet. Donc, il faut disposer d'un ordinateur et d'une connexion à peu près correcte, si possible. Et vous pourrez être accueilli dès que les visas seront débloqués, on l'espère à la fin du premier semestre, mais là encore pas d'assurance à ce sujet, sur le campus de Pau uniquement. Pourquoi ? Parce que le logement est plus facile à trouver à Pau qu'à Cergy. Arriver à Cergy en cours d'année serait une mission impossible qui mettrait les candidats dans des grosses difficultés de logement.
Donc, on a décidé de les accueillir sur Pau, ce qui, bien entendu, n'est pas, c'est pas le bagne, hein. On ne vous condamne pas à rester à Pau toute la scolarité. Dès que vous aurez fini la première année de scolarisation à l'ESTI, vous pourrez, si vous le souhaitez, rejoindre le campus de Cergy. Voilà. Mais ces modalités sont, à notre avis, les meilleures qu'on pouvait mettre en place cette année, au vu des circonstances compliquées. Donc, on essaiera de trouver, disons, un suivi le plus rapproché possible pour ne pas trop pénaliser les candidats internationaux et leur laisser l'opportunité d'entrer à l'ESTI CYTech, sachant que sinon, ben, malheureusement, on est dans une situation qui est très, très compliquée à gérer. On a essayé de trouver la meilleure solution possible pour pouvoir vous permettre d'intégrer notre école. Voilà. Alors, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions qui sont nombreuses sur la partie admission et formalité. Alors, la première question peut-être que je vais traiter, c'est la question numéro 1 sur notre chat sur les admissions. Quand allons-nous recevoir les convocations pour les entretiens en visio sur Avenir Plus? Alors, il ne s'agit pas exactement de convocation. Lorsque votre dossier est traité, si vous êtes admissible pour l'entretien, vous allez recevoir un message qui vous invite à prendre un rendez-vous sur un des agendas en ligne. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que si vous ne recevez pas de message, c'est que vous n'avez pas été jugé admissible, mais sur les phases actuelles, sur la phase actuelle en vigueur, la phase numéro 2, toutes les réponses seront données en même temps, en simultané, le 19 juin. Donc, vous n'êtes pas informé si votre candidature n'est pas retenue. En revanche, vous êtes informé, par l'école qui souhaite vous voir en entretien. Et évidemment, chaque école fait les entretiens avec les candidats qu'elle souhaite rencontrer. Donc, le fait qu'une école ne vous réponde pas ne veut pas dire que les autres ne vous répondront pas, bien sûr. Donc, je répète, c'est un agenda en ligne. Vous prenez rendez-vous pour un entretien en visio sur le campus sur lequel vous postulez en priorité. Donc, si vous voulez venir à Cergy, vous postulez sur un entretien de motivation par Skype. Enfin, c'est pas un Skype, mais c'est l'équivalent. Sur l'agenda et vous prenez votre créneau et ensuite on vous envoie une invitation pour vous joindre à une réunion qui sera votre entretien. Voilà. Peut-être alors combien de temps on met pour traiter les dossiers de candidature? Eh ben, je dirais que ça dépend un peu sur ce sujet. Je vois que Raja voulait rajouter quelque chose, alors je vais peut-être lui laisser la parole. C'était en Raja, continuité, tu voulais merci rajouter? Laurence. C'était en continu. Oui. Vous m'entendez? C'était en continuité par Oui. rapport aux candidats études internationaux. Tu mentionnais la continuité pédagogique et la difficulté que nous avions dans le slide précédent, modalité pédagogique adaptée à la rentrée 2020. Alors, évidemment, vous avez tous compris que c'est lié à la crise que nous vivons, qui nous a touchés au second semestre, puisque déjà au second semestre, pour les bacheliers qui nous écoutent, vous n'étiez pas en cours. Eh bien, c'était pareil pour les étudiants, les élèves de CYTech. Ils n'étaient pas en cours physiquement, puisque l'établissement, que ce soit sur Pau ou Cergy, était fermé non seulement aux élèves, mais aussi au personnel. Et ceci, vous le savez tous, jusqu'au mois de septembre. Alors, comme on ne maîtrise pas ce qui va se passer, et ça s'est bien passé, vous pouvez poser des questions par les chats, hein. On a mis en place diverses solutions à distance, en visio, etc., etc., avec des solutions adaptées, des plateformes dédiées pour avoir les cours en ligne, et même pour organiser les examens et le contrôle continu dont on vous parlait tout à l'heure. Nous sommes une école d'ingénieurs, ça veut dire que nous devons essayer de prédire un tout petit peu l'avenir par rapport à cette situation sanitaire, et donc le programme que vous a expliqué Laurence pour les candidats internationaux, il va exactement dans ce sens. On prend en compte le fait que les visas ne vont pas être délivrés, et ça, c'est à peu près clair au mois de septembre, et donc on met en place une pédagogie adaptée et un accueil adapté. Eh bien, la question va se poser aussi pour vous, élèves, qui êtes déjà sur le territoire français. Et donc, nous réfléchissons pour les modalités pédagogiques à la rentrée, parce qu'on ne sait pas si cette épidémie va stopper. Elle peut très bien revenir. Et donc, c'est à nous de réfléchir, et c'est notre boulot, de manière à pouvoir vous accueillir en toute sérénité, dans nos locaux, soit avec les moyens adaptés, pour que vous soyez en capacité d'avoir les compétences, en tout cas pour la première année de prépa, ou pour ceux qui nous suivent pour le post-bac, plus deux, pour la première année d'école d'ingénieur. Donc, il est important de voir que cette année est une année spéciale. Mais c'est pas parce qu'elle est spéciale que l'école ne s'adapte pas et ne réfléchit pas et ne met pas en place les dispositifs adaptés.
Voilà, c'est ce que je voulais dire, Laurence. Oui, très bien. Voilà. Oui, en effet, c'est un peu compliqué pour nous, bien entendu, vous l'aurez compris, parce que bon, même pour la rentrée, on n'est pas tout à fait assuré des conditions dans lesquelles ça va se passer. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Ceci dit, pour les candidats internationaux, il y avait aussi une question qui était quelles sont les conditions de recrutement d'admission? Alors, c'est compliqué de vous expliquer le panel de toutes les formations qui peuvent exister dans toutes les écoles, universités, à l'international. Sachez que de toute façon, il est clair que il faut avoir une formation de base qui est scientifique, hein, clairement, on va pas arriver, on va pas vous refaire un cursus complet depuis la seconde. Sur l'international, vous nous soumettez votre dossier sur un espace qui permet de donner un maximum de détails. Vous avez des petits frais de candidature à honorer et à ce moment-là, on étudie votre dossier. Si nécessaire, on vous pose des questions. Et on n'hésitera pas à vous demander des compléments d'information s'il nous manque des infos, des bulletins, des détails, etc. Voilà. Et on essaye de trouver, comme l'a dit Raja, la meilleure solution, à la fois en termes de continuité pédagogique, mais aussi, bien sûr, la meilleure solution pour vous permettre d'intégrer avec le maximum de chances de succès l'année adaptée à votre parcours précédent. Voilà. Peut-être un petit sujet sur alors, j'avais vu aussi un sujet qu'on n'a pas traité sur les partenariats avec les résidences étudiantes, sur le logement. Alors, sur le logement, il est clair que nous avons pensé à vous, évidemment. Vous avez sur le site internet de l'école quelque chose qui s'appelle le guide pratique. Et le guide pratique, c'est un guide, plusieurs pages, qui sont dédiées soit à Cergy, soit à Pau, sur lequel vous allez retrouver des exemples de surface, de localisation et de prix de résidence privée ou publique. Donc évidemment, si vous voulez un logement CROUS, il faut faire votre dossier pour demander les bourses et les logements. Donc c'est une attribution qui n'est pas de notre ressort, bien sûr, qui dépend du CROUS. Et si vous cherchez des logements privés, je dirais que bon, vous avez en général un choix assez vaste. Il faut pas s'affoler sur Pau en particulier. Le choix est vaste et les logements sont disponibles et vous pouvez sans difficulté attendre juillet ou août pour revenir chercher votre logement parce qu'évidemment avec le confinement et les difficultés et les restrictions de circulation, bon, vous aurez du mal à venir visiter avant un certain temps. Donc ne vous inquiétez pas sur Pau en tout cas. Sur Cergy, je ne suis pas experte. Peut-être Raja peut rajouter quelque chose. C'est peut-être un peu plus compliqué. Raja, tu es là? A priori, toujours quelques petites difficultés de connexion. Voilà, donc écoutez, sur Cergy, soyez vigilants, on va dire. Voilà, Raja nous en dira d'autres qui, si nécessaire, enfin, nous en dira plus si nécessaire et s'il a des éléments à apporter. Alors, une question sur les admissions que je vois ici. L'école est-elle beaucoup demandée? Jusqu'à quelle place dans le concours l'école pioche-t-elle ses étudiants? Alors, j'ai traité plus ou moins cette question tout à l'heure, mais je vais peut-être détailler parce que c'est un aspect un peu technique. Dans le concours à venir, comme vous le devinez, il y a beaucoup d'étudiants, bien sûr. En moyenne, cette année, de mémoire, nous avons 9 000 étudiants, mais pour 14 campus, 8 écoles. Donc, évidemment, ah oui, voilà, donc les guides pratiques, le lien a été publié sur le chat YouTube, on me dit. Au moins sur le chat YouTube. Donc, je disais que le concours à venir a 9 000 étudiants. Nous avons 2 000 places environ dans toutes les écoles du concours à venir. Vous avez l'information sur les informations de chaque école, de chaque site, sur le rang du dernier admis. Alors, le rang école, donc c'est-à-dire dans cette école, le dernier admis était un rang numérotant l'année dernière. Ça vous donne déjà une bonne idée. Nous sommes également à votre disposition pour répondre à vos questions, pour savoir quand vous allez voir vos résultats. Vous allez savoir que vous êtes, je sais pas, 200e en liste d'attente. Vous pouvez éventuellement, alors, nous appeler sur les standards avec la limitation, des fermetures de campus ou nous envoyer des mails sur admission au pluriel @eisti.eu. Cette adresse vous permet de nous poser votre question du genre, je suis en rang tant, est-ce que vous pensez que j'ai une chance d'être admis? Alors, on ne pourra pas vous répondre de questions de façon certaine, tout simplement parce que votre admission dépend de ceux qui sont mieux classés que vous dans la liste d'attente. Donc, vous comprenez bien que nous n'avons pas la possibilité de deviner s'ils vont souhaiter nous choisir ou s'ils vont souhaiter choisir une autre école. Néanmoins, avec l'expérience, on peut
raisonnablement deviner qu'au-delà d'un certain rang, ça sera compliqué. Voilà. Donc, on sera honnête avec vous. On n'a pas pour objectif de vous faire lambiner plus que nécessaire. On vous dira si vraiment on estime que ça va être compliqué. Ceci dit, le système Parcoursup, disons, n'a pas de raison de converger très vite. Il n'est pas fait pour ça, bien que ben, chacun fait ce qu'il faut pour que ça aille le plus vite possible. Mais enfin, c'est quand même un système itératif basé sur la progression des vœux de chacun en fonction des réponses du précédent. Ce qui veut dire que vous pouvez être amené à attendre un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous ne nous avez pas rejoint, surtout, j'ai répété, c'est la guerre des nerfs, ne vous énervez pas. Donc, le système va faire ce qu'il faut pour que votre demande reste en suspens aussi longtemps qu'il le faudra. Si vous êtes motivé par CYTech, ne lâchez pas le morceau, attendez. Et au pire, de toute façon, vous n'aurez pas votre place, mais au moins, vous aurez attendu jusqu'au bout et vous aurez la certitude que vous n'êtes pas passé à côté d'une opportunité. Voilà. Donc, si vraiment on pense que vous n'avez aucune chance, on vous le dira. Il vaut mieux savoir ça pour vous organiser. On ne peut pas aller plus vite, ça ne répond évidemment pas à notre simple vouloir. C'est un système global, avec toutes les écoles, avec toutes les formations, avec tous les étudiants. Mais normalement, je dirais que si vous avez bien travaillé en première et terminale, vous devriez avoir vos chances d'intégrer notre école. Voilà, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment. Une autre question sur les admissions et l'apprentissage et comment postuler. Alors, comment postuler pour l'apprentissage? Il y a un site dédié, enfin un lien dédié sur notre site internet. Vous avez un bandeau apprentissage. Vous cliquez dessus. On va vous donner tous les détails pour répondre au petit formulaire et vous serez contacté pour l'entretien. Voilà. Donc surtout, ce n'est pas la même voie que l'apprentissage, que la formation d'ingénieur. En gros, vous pouvez postuler des deux côtés, donc d'un côté sur Avenir Plus pour la formation d'ingénieur classique, et de l'autre côté sur l'apprentissage. On vous en voudra pas si vous optimisez vos chances de réussite, évidemment. Voilà. Donc là, hop, j'ai traité la question. Non, excusez-moi, mais je traite en même temps le chat et les questions. Donc, je suis obligée, et je n'ai que deux yeux. Voilà. Partenariat avec les résidences étudiantes, on en a parlé également. Voilà, donc ça, c'est un sujet qui a déjà été abordé. Alors, peut-être conditions d'obtention du double diplôme Grenoble École de Management ou ESSEC. Alors, ça, c'est une question un peu plus technique. Donc, sur Grenoble École de Management, comme vous vous en doutez, c'est un de nos partenaires. Donc, il a lui aussi ses attentes, disons, vis-à-vis de votre profil. Alors, les attentes de Grenoble École de Management, de mémoire, sont, disons, axées sur deux points. D'abord, l'excellence académique. Il ne faut pas se leurrer, nous avons un nombre de places limité qui est en général inférieur au nombre de candidats, ce qui signifie que vous aurez plus de chances de rentrer si vous êtes dans les meilleurs de votre promo. La candidature peut se faire soit en deuxième année de cycle ingénieur, soit en troisième année, et à Grenoble École de Management, vous passerez un an pour obtenir le double diplôme. Il faut également avoir une seconde langue et avoir un niveau B2 dans cette seconde langue. Voilà, puisqu'une école de commerce, elle est basée aussi sur des aptitudes à la communication. Donc, surtout, n'abandonnez pas votre seconde langue, quelle qu'elle soit. Continuez à pratiquer. Ensuite, Grenoble École de Management voudra que vous ayez de mémoire 800 au TOEIC, ce qui veut dire qu'il faudra avoir passé le TOEIC avant de postuler à Grenoble École de Management. Alors, sur l'ESSEC, je suis un peu moins forte, donc je pense que si vous avez posé la question, on pourra prendre vos coordonnées et vous répondre plus tard, ou vous pourrez toujours envoyer un mail à admission@testi et on vous répondra individuellement. L'ESSEC est une école dans laquelle il peut être nécessaire de passer plus qu'un an pour avoir un double diplôme, et notamment parfois 18 mois. Notamment si vous choisissez la voie de l'apprentissage, ce qui financièrement rendra beaucoup service à vos parents, puisque l'année à l'ESSEC est quand même très chère. Et quand je dis très cher, c'est, je crois, de l'ordre de 1 000 euros. Si vous dites ça, je ne vous paierai pas et vous serez salarié, ce qui sera quand même un soulagement pour vos parents. Voilà. Donc, je pense que ça sera intéressant de l'avoir noté. Petite question sur les inscriptions, je vois aussi. Donc, les inscriptions, comment ça va se passer par rapport à l'épidémie? Alors, lorsque vous êtes admis, quelle que soit la voie d'admission à l'ESTI, CYTech, vous allez recevoir par mail un dossier d'inscription qu'il faudra imprimer, remplir et renvoyer par voie postale.
ou éventuellement, si vous êtes à Cergy, en vous rendant dans les locaux du service inscription. Ce dossier ensuite donnera lieu à une inscription administrative sur Internet dans laquelle vous devrez faire également votre paiement. Pour le paiement, on est à peu près sur 30% des frais de scolarité annuels en termes d'acompte à l'inscription et ensuite un paiement échelonné jusqu'à 5 fois, 5 versements échelonnés sur la durée de votre scolarité, donc de l'année. Par différents modes de paiement qui sont pas encore tout à fait bien clairs pour moi, donc je vais pas vous raconter n'importe quoi et des bêtises. Nombre de places pour l'ESSEC par an, je vois qu'on me pose la question. Alors, nombre de places pour l'ESSEC, je ne sais pas vous dire, voilà, donc je vais pas vous raconter n'importe quoi, pas beaucoup. Voilà, pas beaucoup, mais quand même, je pense que ça dépend surtout de votre niveau. En gros, il faut pas viser. Si vous voulez rentrer à l'ESSEC, vous rentrez dans le top 5 des écoles françaises de management, même le top 3, je crois. Ce qui veut dire que la médiocrité n'a pas sa place. Hein. Il faut être clair, c'est faut être dans les meilleurs. Voilà, donc il faut vous démener et il faut pas penser à vous économiser. Voilà, donc c'est un peu le maître mot. Voilà, qui a des ambitions se donne les moyens de ses ambitions, je dirais. Pourcentage d'admission à l'ESTI. Alors, c'est très difficile de vous répondre parce que le pourcentage d'admission répond à la question, enfin dépend énormément de la voie par laquelle vous postulez. Je dirais que la voie la plus difficile, c'est celle des classes préparatoires aux grandes écoles. C'est-à-dire que à l'issue des classes préparatoires aux grandes écoles, le concours CCINP est très sélectif. Si vous êtes déjà sûr que vous voulez faire des maths ou de l'informatique et que vous êtes en terminale, il est sans doute plus facile de rentrer par le concours à venir niveau bac. Voilà. Il faut être lucide. Les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est d'abord un parcours difficile pendant la scolarité parce que c'est exigeant, c'est élitiste, c'est sélectif. L'objectif des classes préparatoires est de vous sélectionner. Le concours est là pour ça. C'est un concours qui se déroule sur la toute fin de la deuxième année, voire en 3 ans si jamais vous avez redoublé, fait 5,5. Ce concours est un concours sélectif, hyper sélectif, avec peu de places. Et nous n'avons pas la possibilité d'accroître le nombre de places comme nous le souhaiterions. Ce qui veut dire qu'on a une tension, un nombre de candidats par place, plus importante encore qu'au niveau bac. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, les classes préparatoires sont très bien parce qu'elles vous donneront le temps de réfléchir. Mais si vous savez déjà ce que vous voulez faire, l'alternative intéressante du concours à venir peut être, je pense, une solution plus lucide. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu? Voilà, oui, quel est le lien entre l'épidémie et l'inscription, les formalités d'inscription? Ben malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous répondre parce que l'épidémie n'est pas encore terminée, malheureusement. Les formalités d'inscription sont prévues par correspondance. Donc, je pense que de toute façon, il n'y aura pas de particularité, si ce n'est celle qu'on a déjà évoquée pour les candidats à l'étranger, évidemment. Pour eux, c'est une question de visa plus que d'inscription. Et donc, on aura quand même, je dirais, les solutions les plus adaptées en fonction du contexte au fur et à mesure qu'on aura des informations. Voilà. Alors, je ne sais pas si Raja est revenu. Je crois que non, parce que le débit était moins bon. Comme quoi, vous voyez, être au fin fond du Béarn a des avantages. En fait, on a la fibre, on a un très bon débit. Voilà. Et en plus, je me venge parce qu'il ne peut pas répondre, il n'est pas là. Donc, vous voyez, c'est très mesquin. Je suis d'accord avec vous. Alors, quelques autres questions. Alors, beaucoup de questions sur les masters spécialisés, me dit-on, pas dans l'oreillette, mais sur le chat. Alors, les masters spécialités sont un sujet qu'on n'a pas abordé du tout aujourd'hui parce que, pardon, ça aurait été un peu trop compliqué. Excusez-moi, je bois un coup. Ça aurait été trop compliqué de mélanger le sujet. On répondra évidemment, si on a vos coordonnées, directement à vos questions. N'hésitez pas à les poser directement au service des masters spécialisés, dont j'ai oublié l'adresse directe, mais que vous allez trouver sur notre site. Les masters spécialisés sont variés, il y a des secteurs différents. Les modalités, en gros, de toute façon, c'est dossier plus entretien, ça je sais, mais je ne saurais pas vous donner plus de détails. Les frais de scolarité ne sont pas les mêmes, donc il est intéressant que vous vous rapprochiez du service dédié pour qu'il soit possible de vous répondre avec le maximum de détails. Parce que sinon, ça va pas être possible. Ici, je vais vous dire trop de bêtises.
Les auditions d'admission pour les candidats étrangers, j'en ai un petit peu parlé, mais j'y reviens. Elles se passent en visio. On essaie évidemment de s'adapter à vos problèmes de décalage horaire, si vous en avez, parce que sinon c'est pas jouable. On va essayer de ne pas vous faire lever la nuit, ça serait mieux. Et les admissions donc se déroulent sur la base de votre dossier, avec une discussion dans laquelle on évalue votre niveau de français, votre motivation. Éventuellement, on essaie de creuser un peu les programmes que vous avez suivis pour savoir si votre choix d'orientation et de niveau sera compatible avec nos prérequis. Voilà. Alors, pour les candidats internationaux, les réponses n'arrivent pas le 19 juin parce que ça, c'est une deadline sur les candidats nationaux Avenir Plus. Les réponses arrivent au fil de l'eau, au fur et à mesure des jurys. Les premières réponses ont tardé pour une raison simple, c'est que nous n'avions pas de visibilité sur les visas et nous n'avions pas de possibilité de répondre correctement à des modalités de scolarisation tant que nous ne savions pas si les élèves pourraient venir en France sur le territoire suivre la scolarité. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la scolarité se passera en deux temps. Première partie de l'année en distanciel depuis chez vous via Internet avec un PC. Deuxième partie, dès que ce sera possible, dans nos locaux du campus de Pau, et là, en présentiel. Voilà. Mais ça, malheureusement, on ne maîtrise pas toute la situation. Donc, ces modalités viennent d'être définies et décidées. Et on ne va pas tarder, pour ceux qui sont en attente d'une décision et qui ont passé leur entretien, on ne va pas tarder à vous répondre. C'est moi la fautive parce que je n'ai pas encore, enfin, je n'avais pas la réponse, donc je ne vous ai pas écrit. Et donc, je vais le faire dans la semaine, promis au plus tard. Voilà. Je pense qu'on... Ah oui, des dates de rentrée. Alors, les dates de rentrée, ben, globalement, pour les prépas, c'est le 3 septembre. Donc, la rentrée le 3. Le cycle ingénieur, ça sera dans les jours approchants. J'ai plus en tête, mais je crois que c'est le 5. Pour les masters spécialisés, plus tard probablement en fonction du master et en fonction des conditions sanitaires. Voilà. Je précise qu'il n'y a pas d'achat à prévoir, donc vous n'avez rien à prévoir ni à approvisionner, si ce n'est le logement, bien sûr. Je ne suis pas sûre que nous soyons en mesure d'organiser le week-end d'intégration cette année pour les ingénieurs, parce qu'il y a des mesures sanitaires. Voilà. Donc, ce n'est pas que j'ai envie de vous faire peur, c'est que je préfère vous prévenir que les festivités de tous ordres seront peut-être un peu plus compliquées à organiser. Alors, en termes de festivités, d'associations, d'activités culturelles, on n'a pas détaillé dans cette présentation. C'est volontaire parce qu'on ne voulait pas non plus vous retenir trop longtemps. Je m'aperçois que je suis toujours aussi bavarde. Mais vous avez par chat la possibilité de poser des questions à tous nos élèves qui vont vous parler, que ce soit de sport, de cinéma, d'associations japonaises, d'associations de jeux en ligne, qu'ils soient vidéo ou pas, d'associations également de codage informatique. Il y a Attila qui est là. Je les remercie et surtout n'hésitez pas à leur poser toutes vos questions. En tant que responsable administrative d'un campus, je ne suis pas la mieux placée pour savoir vous dire quel est le tarif de l'entrée à une soirée et si elle est open bar ou pas. D'ailleurs, open bar, ça n'existe plus. C'est toutes les consos à 1 €. Voilà, maintenant, c'est plus politiquement correct. Voilà. Mais voilà, sachez qu'on s'amuse aussi à l'ESTI. Cette présentation est institutionnelle. Donc, évidemment, c'est une présentation qui n'a pas vocation à être que fun. Voilà, mais pas forcément non plus triste. Sachez qu'en école, on s'amuse, mais en prépa, on travaille aussi beaucoup. Voilà, la réputation des soirées festives des écoles d'ingénieurs n'est plus à faire, mais ce n'est pas à moi de faire la publicité. Voilà. Donc, je laisse les élèves faire leur publicité, ils la font très bien et de façon plus pertinente que je ne saurais le faire, bien évidemment. Je ne vois pas de choses à traiter que j'ai oubliées. Voilà. Alors, pour les étudiants boursiers, quels sont les prix des deuxième et troisième années d'études d'ingénieur pour les boursiers qui rentrent actuellement à l'ESTI? Si on vous a, entre guillemets, appâté avec du 0 €, on ne va pas être mesquin et ça continuera à être du 0 € sur la suite. Donc, ne vous inquiétez pas, moi, je n'ai pas de raison de vous mentir. Normalement, notre volonté est de poursuivre cette ouverture sociale et cette, disons, accès facilité pour tous les étudiants qui en ont besoin. Donc, l'idée n'est pas de vous trahir par la suite. Voilà. Mais après, c'est pas moi qui ai les cordons de la bourse. Enfin, voilà, je crois traduire sans la dénaturer la position de la direction et je pense que la position, évidemment, de maintenir ces frais de scolarité privilégiés. Voilà.
Alors, je ne pense pas avoir négligé des questions. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes vos questions posées en ligne, en tout cas celles que l'on m'a retranscrites. Je crois que malgré les petits problèmes de débit et de connexion, les choses ont dû à peu près bien se passer. Donc, je tenais surtout à vous féliciter pour votre participation à cette première JPO virtuelle qui était un peu un challenge. Je vais en profiter pour remercier tous les élèves et les collègues qui ont participé également, puisque vous ne les avez pas forcément vus, mais ils étaient nombreux derrière leur clavier. Et donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine JPO virtuelle qu'on établira en fonction de vos questions. Peut-être pas pour cette année, mais on verra. Et sans doute à la rentrée prochaine. Donc, j'espère pour tous les candidats que la fin de l'année va bien se passer, que vous aurez, disons, si vous passez des entretiens, que vous réussirez à les passer dans de bonnes conditions. Alors je vais pas vous dire que le bac va bien se passer parce que je pense que là il y a plus vraiment photo, vous êtes tous au courant si vous l'avez déjà. Et j'espère vous accueillir nombreux à la rentrée sur l'un de nos campus et peut-être en distanciel si vous êtes à l'étranger. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'année. Au revoir, merci à tous.